Mercredi 16 octobre 2024, VOA Creole dans une nouvelle édition Rendez-vous. Moi, c'est Jacqueline Bélisère. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, nouveau développement dans la tension qui a gagné dans la relation difficile entre Conseil présidentiel transition et Primatula, surtout après mésentente pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Moyen-Orient, Israël continue opération Lyon contre Hezbollah, côté les frappé quelques zones dans Beyrouth, dans le sud Liban. Actualité électorale aux États-Unis, candidat au lancé dans un coup sans frein pour convaincre électeurs indécis. Haïti, conflit entre KPTA et Premier ministre Gary Conny sous possible révocation ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis, eh bien, la prend l'autre dimension. KPTA a été convoqué mardi, donc hier, Premier ministre sous question. Yves Manuel, des détails. Moi, j'ai toujours eu des rapports et des échanges tout à fait cordiaux et respectueux avec le CPT. Jean Saté prévoit rencontre là effectivement faite à Emadiana après-midi entre Premier ministre Gary Conny et conseiller président yo, Leslie Voltaire, Fritz Jean et Régine Abraham, seule femme dans le conseil là, à l'exception de Edgar Leblanc et Laurent Saint-Cyr qui étaient absents dans la rencontre là. Tout monsieur dame ça a fait une seule voix pour exiger révocation ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis. Demande révocation madame Dupuis hein, liée selon CPTA à position ferme li adoptée concernant déportation par pile et par paquet citoyens haïtiens qui a vivent en République dominicaine. N'a souligné selon une source qui était participé dans discussion yo qui parlait avec VOA Creole, Premier ministre Gary Conny pas entendre lâcher Dominique Dupuis. Dans ce sens, réunion finie sans pas gain aucune entente en deux parties selon source qui pas benol cité. Conseil présidentiel là cependant prévoit réunir une autre fois encore avec gouvernement pour discuter de prochaine étape tant que nomination un nouveau directeur général dans tête direction générale impôt pendant un conseil ministre. Cependant, conseiller yo pas d'accord pour chancelier là Dominique Dupuis ta participer dans le conseil ministre. Premier ministre Gary Conny doit travailler main dans main avec le conseil présidentiel là dans l'idée pour capable attaquer grand défi au lieu que y aurait été dans une bataille pour influence selon un pile observateur. Moi c'est Ivan depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Pendant ce temps, chef diplomatie haïtien qui c'est tout ministre haïtien qui vit à l'étranger, Dominique Dupuis, bay position gouvernement sous situation haïtien qui vit dans la ville Springfield dans l'État Ohio, Gentil Augustin Junior. Est-ce que Nan chita parlé ak VOA Creole dans Washington, ministre Affaires étrangères haïtien Dominique Dupuis fait connait. Ça qui passe Springfield, Ohio, c'est ça ou carrélé yon symptôme systémique qui existait dans un pile pays qui poko ka débarrasser yo de héritage raciste là. Expression que haïtien mange chien, haïtien mange chat. C'est pas ça pour nous garder parce que y a des peuples qui mange chien qui mange chat. Yo va parler de yo. C'est expression pour essayer de déshumaniser des monde qui viennent paraître trop tant que monde dans nouveau communauté. Comme ministre haïtien qui vit à l'étranger, il te comprendre qui problème haïtien ça yo trouvé yo. Et gouvernement agit pour faire haïtien connait yo pas pour compte yo. C'est une question de sensibilisation, de mobilisation pour que nous décrier tentative de déshumanisation ça. Parce que tentative là a un effet néfaste immédiat. Sous sécurité et intégrité moun kap viv liyan, sous traumatisme que l'a créé, sous impact émotionnel que l'y a, mais l'y a surtout un impact beaucoup plus sur le moyen et le long terme, qui a vraiment gangréné participation moun sa et chance li pour le cas intégré dans la communauté, avoir un pays à tout entier. Ministre haïtien kap viv à l'étranger, Dominique Dupuis, te prend position publiquement après déclaration, qui te lagi haïtien yon nan gros courri dans Springfield, et te dit, les gen yon bagay inacceptable kap fait, pa dwe gen compromis sou position ki dwe pran. On va rappeler nous tout comme haïtien que nous pa dwe attendre nous en combat qui beaucoup plus profond. Pa gade le seulement nan jodi, a gade le sou conséquence que le ka gagne sur le long terme et c'est dans sens ça que n'a continuer à agir à travers consulat Chicago, à travers prise de position, à travers sensibilisation et à travers chaque fois pour nous camper pour nous dire nous pas d'accord avec tout ça. Yon citoyen américain dans ville Springfield
te gayé parole qui dit que haïtien a mangé chien ak chat nan mois septembre passé ya. Quelques politiciens te reprenn li. Ça qui te vinn la gayon vent panique ak la pérèse nan mitan immigrant haïtien kap viv nan ville Springfield, Ohio. Autorité locale yo prend disposition pour assister communauté haïtienne nan intégrer yo nan système social ville la, tankou accès pi facile nan système santé ya. Permet yo ka fè permis conduit yo et latrier. La Maison Blanche te même voyé yon représentant al tan de communauté haïtienne kap viv nan Springfield, Ohio. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Organisation État américain OEA a reporté rencontre l'étape organisée pour discuter sous crise dans le pays d'Haïti. Responsable yo pa bay raison qui fait rencontre la annuler. Jean-Robert te descend dans siège organisation hémisphérique là. T'as parlé d'une rencontre sous Haïti, c'était le conseil permanent même qui t'a annoncé pour rencontre ça, pour discuter sur la situation du pays d'Haïti. Mais à la dernière minute, bien rencontre ça, l'y renvoyer pour l'autre date. Mais pas de monde qui essaie d'expliquer malgré que nous essayons de contacter et quelques responsables, que ce soit nous pas de cas joindre par exemple délégation à Haïti à priorité dans l'autre explication, mais monde que nous contacter qui est proche avec l'organisation, et bien ils disent que par contre pour qui raison c'est seulement une nouvelle que recevoir l'ordre qui dit que rencontre t'as pas le faire pour discuter sur Haïti à, et bien on compte ça renvoyer pour une autre date. Non, on va appeler ça il y a longtemps et délégation Haïti a demandé une réunion et organisation justement pour être capable de parler de situation haïtienne et que la République dominicaine a déporté et justement pour être demandé une attention spéciale pour être demandé aux autorités dominicaines pour être bien traité et déporté haïtien ou bien haïtien les a déporté en Haïti et peut-être respecter tout accord que Haïti gagne avec République dominicaine et même accord qui gagne même et que organisation prévoit même dans cas il y a pays déporté monde ou bien encore réfugié. Donc situation dans pays d'Haïti a lui-même tout capable dans centre discussion autour tant qu'on nécessité pour gagne mettre sous pied un conseil électoral provisoire qui gagne 7 membres qui déjà désigné mais manquer 2 membres. Donc appel à plan c'est tout pour que président ou bien pour que conseil présidentiel transition lui désigne de l'autre représentant pour capable mettre sous pied et conseil électoral qui c'est première étape pour nous, et qui pour franchir les pour parler de affaires élection. Donc c'est une rencontre qui envoyé et personne par contre pour qui raison exactement mais en pays attend tout pour connaître qui les rencontre ça la dérouler et yon militant kap défendre droit moun qui c'est yon descendant africain en République dominicaine dénoncé déportation haïtien. Sandra Lemaire. Yon militant kap défendre droit afro descendant yo déclaré mesure République dominicaine annoncée dans commencement mois d'octobre là pour déporter jusqu'à 10 000 migrants par semaine, c'est un coucou rouge contre moun noir. Li di priorité à la sécurité République dominicaine. Après ça, n'a expliqué. Si nous obligé ba explication pour qui ça n'a fait, mais nous pas obligé expliquer loi immigration qui fait partie fondamentale tout pays. Maribel Núñez critiqué traitement migrants haïtiens à recevoir dans centre détention Haina dans Santo Domingo. D'après lui-même, il a déporté mineurs pour compte sans monde qui responsable. Et que même Dominicain noir joue une arrestation sans possibilité pour libération. Lidio Dim, Mounio voyait en façon injuste l'ensemble de vacation. Haïna, sa cap déroulé en dedans, horrible. Yo déporté Tifi sans famille, Timoun. Dominicain noir dit yo mette famille en prison. Yo passé plusieurs jours là, malgré yo gen document qui mande libération yo et yo pas la guerre. Gouvernement dominicain a blâmé Haïti pour carreau à crime et plutôt insécurité qui gagne en République dominicaine. Lidi Lifin perdit patience à progrès lent mission sécurité internationale qui vient comme but pour aider Haïti gérer crise là. Nations Unies m'a des pays dans la région pour yo suspendre déporter Haïtiens à cause situation dangereuse qui existait dans le pays. Si République dominicaine poussait pour plus devant à plan lien, quantité moun ni déporté à Nessa a augmenté 17 hauteurs pour arriver plus passer 200 000 Haïtiens que les déportés par la force.
vice-amiral Lee Ballester, c'est directeur migration dominicaine. Il dit communauté internationale a appuyé Haïti, il voyait ressources par Haïti, mais faut qu'il garde la République dominicaine tout et puis aider la République dominicaine parce que processus ça a coûté pays à en pile l'argent et malheureusement nous pas responsables. Seule responsabilité nous gagner c'est que nous partager l'idée. Nosotros no tenemos la culpa. La única culpa que nosotros tenemos es que compartimos. En dedans pays d'Haïti, conflit gang la cause plusieurs milliers moun mouri et puis plus passé 700 000 obligés courir quitter Kayo. Toujours sur même dossier haïtien, déportation haïtienne République Dominicaine, Steven Aristide te fait un coup de pied sous frontière Haïti partagé avec République Dominicaine. Depuis après déclaration président dominicain Luis Abinader te fait pour te annoncer chaque semaine, n'a déporté pour plus petit 10 000 haïtiens qui vivent illégal dans la République dominicaine. Chaque jour, c'est plusieurs dizaines de monde frontières haïtiens qui apprécient voir dans la même immigration pays voisin. Là, nous sous frontières ouanamènes, haïtiens tout l'âge, à descendre machine immigration. Il y en a qui parlent avec nous et qui dénoncent mauvais traitement au bas, ils ont tout profité partager l'expérience ça avec nous. Moi-même, tout ce domaine, je suis content parce que je n'ai pas travaillé au premier matin. Le premier, je fais tout le monde pour le salaire de la vie. Je là, je dis que je suis pour Dieu, depuis que je suis dans notre pays, je suis pour que là, pour manger, pour que je passe à la carte. Si vous êtes là, j'imagine que je suis là, je suis là, je suis là, parce que je suis là, 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 je pour juste qu'on y a, autorité haïtienne pour qu'on réagisse sur déportation massive, ça. Pendant gang continue à s'immer la troublée dans Port-au-Prince, en pile haïtien qui était décidé à vivre Saint-Domingue pour insécurité, trouvé une obligation pour retourner dans le pays, il y a un choix qui est compliqué pour un pile dans eux. Moi, c'est Steven Aristide, depuis Ville-Ouanamètre, pour VOA Creole. C'était quelques grands points qui ont dominé l'actualité concernant le pays d'Haïti. Plus nouvelles, l'entourent. Actualité électorale là aux États-Unis, candidat a lancé dans une course pour convaincre électeurs indécis. Valéo salut. État Nevada a une population de 3.1 million monde. Li probablement pi bien connu pour Las Vegas, qui c'est ville qui pi populaire dans l'État. Une ville qui aurait les tout Sin City en anglais. Tom Riley, c'est un professeur et un expert en démocratie et citoyenneté dans l'Université Arizona. But they're a bit of a paradox. I mean they're seen as a little bit of a paradox. Moi je veux dire, yo wel comme peut-être un état libéral dans plusieurs sens parce que c'était premier état qui était vraiment poussé pour passer loi sur divorce sans faute là. Li gen jouet hasard dans cette commune, li permet prostitution, mais état gen tout un aspect très très conservatif dans un certain sens. État Nevada a voté républicain dans fin année 1960 yo jusqu'à commencement année 2000 yo. Depuis les ça, État régulièrement balancé entre deux partis politiques. La population Nevada a augmenté, li triplé depuis l'année 1980. En pile monde qui fait venir dans l'État, yo sorti Californie, qui en majorité libéral. Ça qui arrivé, c'est commune Clark-Clark qui c'est commune côté Las Vegas Chita. Kounia, c'est 72% population qui gagne droit pour voter dans l'État ça. Et donc, ça qui arrive Nevada, c'est que l'été une fois, un État section rurale qui vient tourner un État urbain. David Cardenas, qui c'est un étudiant collège dans l'État Nevada, te fait remarquer politique divisée qui gagne dans l'État. There's Vegas and then there's the rest of Nevada. Gen Vegas et puis après ça gen rest Nevada. Et selon connaissance moi, Vegas gen tendance sous bord démocrate là. Tandis que rest là dans Nevada, c'est plus tendance républicain. Mais puis fond dans population, c'est dans Vegas yo. Malgré explosion population, Nevada rete yon état côté que grand pile travailleur avec en pile résident qui fait travail manuel. So things like bagay tan kou salaire, bagay tan kou chômage, bagay tan kou logement abordable, juste inflation en général. C'est comme ça bagay tan kou prix gaz, tout bagay ça affecté moun yon ti kras pi plus la nan Nevada. Élève collège nan Université Nevada ki nan Las Vegas te décrit problème principal yo. Gen kek ki pral voter pour première fois kounya ke yo rive nan l'âge pou yo voter à 18 ans. Definitely abortion. Définitivement avortement, définitivement économie. Ki l'autre bagay? Education as well. État économie, probablement juste problème frontière.
Mwen se yon jen ki raze ki nan universite. Mwen ta jist reme kapab jwen mwen pou mpeye pou manje. Mwen ta reme gen yon sel travay ki peye ase pou edem ak tout bezwen mwen yo. Nevada jwe yon rol important kom eta chan de batay. Se pou tèt sa tout de kandida prezidansyel yo. Donald Trump ak vice-prezident Kamala Harris a pase tan yo isit la. Paske finalman, sak pase nan Vegas ta kapab determine ki moun ki pral dirije les Etats-Unis pou poche katane yo. Reportage Dora Mekouar pou VOA News Las Vegas. Adaptation créole Valerio Saint-Louis pou VOA créole New York. Jeudi mercredi, c'est funérailles Itel Kennedy, madame défunt sénateur Robert Kennedy, en présence quelques anciens chefs d'État, tankou Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush. Mam famille Kennedy a été déjà rassemblée avant hier lundi pour cérémonie privée dans l'église Our Lady of Victory dans Centerville, Massachusetts. Itel Kennedy, que considéré comme doyen famille, t'a fait éducation 11 timoun après assassinat Maril et il t'a dédié la ville pour œuvre sociale et héritage familial. Il est mort jeudi qui se passait là, il t'a gagné 96 ans. Rendez-vous info programme VOA Creole qui passait chaque jour sorti lundi pour arriver vendredi tapant Washington le Washington le Port-au-Prince. Et pratiquement en fin de programme, non, avant nous aller, nous t'arrêmes parler de Sophie Solivo, une musicienne qui jouait harpe. Oui, Sophie jouait harpe, c'est un instrument spécial qui est un genre drôle. C'est un instrument qui entre basse et batterie. Elle y joue une place depuis la première note. Sophie Solivo, pas seulement harpiste, mais elle est chanteuse tout. Elle fait partie de 10 finalistes prix musical Joséphine, non, grâce ak premier album ni ki rele Initiation. Yon journal intime côté ouè tout bagay nan plas yo. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans programme, c'est ton plaisir pour nous te servir. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Passez yon bonne fin de journée, moi c'est Jacques Lebelisé. Laissez-moi dire nous que la valace est au monde enragé. La valace est au monde enragé, déchaîné. Parce que yo dit clairement que faut que conseiller Leslie Voltaire faut lui révoquer madame Dominique Dubuis et yo même aller plus loin pour yo dit que faut que capeté hein l'écraser gouvernement Gary Conil. T'as dit samedi hein? L'avalacien, toute prime, toute primaille. Yo mandé enragé. Yo mandé déchaîné mes amis. Parce que yo dit fuck tête madame Dominique Dupuis coupé. Ça veut dire que fuck yo révoquer Dominique Dupuis et même révoquer écraser gouvernement Gary Conil. Et Gary Conil bon côté parle lui-même monsieur sémenté que madame Dominique Dupuis li pa fait ronde porte li pa fait yon paquita et yon panago c'est un top pour joindre entre gouvernement et puis KPT pour avancer avec transition et que gros menace qu'a fait là. Il y a une grosse bataille, une grosse menace qui a fait entre le gouvernement et puis KPT. Mais moi-même, plus de questions que je me posais, tête moi. Dans tout ça, qui côté que le peuple haïtien lui-même lié? Qui côté le peuple haïtien lui-même lié, je dis? Parce que d'après toute information que moi gagné moi-même, lui Gérald Gilles et trois conseillers qui impliqués dans scandale corruption BNC1 qui c'est Emmanuel Vettiler, lui Gérald Gilles et Smith Augustin y ont demandé clairement révocation de Dominique Dupuis. Et y ont demandé tout pour que ces KPT conseil présidentiel transition pour que c'est lui-même
qui gagne ministère régalien yo. Eh bien, samedi. Avait dit que yo besoin retirer yon bon parti dans pouvoir dans gouvernement et sous contrôle Gary Conille. Yo besoin que c'est KPT à lui même côté pal qui pou gè san relé gouvernement en entier nan mèl. Par exemple, ministère intérieur que Gary Conille a occupé poste li. Ministère justice que c'est Gary Conille qui mettait ministre justice Pet Carlos Hercule. Ministère économique finance que c'est Gary Conille qui mettait ministre économique finance là. Madame Kathleen Florestal, ministre et affaires étrangères à la fois ministre Aïssé Vive à l'étranger Dominique Dubuis, ministre planification Kathleen Florestal. OK? Eh bien, ensemble de ministères régalien ça yo, ensemble de ministères clés ça yo, eh bien, KPT, hein, n'est-ce que, messieurs, dames, yo dit, yo a retiré ministère ça yo, nan me Gary Conille, et c'est KPT qui pou nommer moun nan ministère ça yo. Et, n'est-ce que, mande, et yo dit Gary Conille clairement. D'après ça que m'y a comme information, n'est-ce que, yo dit, Gary Conille clairement, si que li pa accepté, si il pas accepté, ok? Si que Gary Conille pas accepté pour que yo révoqué ministre de l'Éducation, si il pas accepté pour que ministère régalien yo, que yo changé yo, et c'est capé ta de contrôle yo, yo dit Gary Conille va tomber. Yo dit Gary Conille va révoquer et va craser gouvernement. Mes amis, ça qui est là, ça qui vient joindre nous là, je dis à papa ici, moi je veux dire nous clair, calvé nous, souffrance nous, calamité nous, à peine commencé. Ok? Calvé nous. Souffrance nous à peine commencé parce que je dis quel que soit le KPT conseil présidentiel transition quel que soit le gouvernement Conille qui là yo youn pas régler ça fait pays bien que gen moun qui plus ou moins ouais que volonté que PM Gary Conille gagne, il y a plus ou moins que volonté que Madame Dubuis gagne, dans le jeu que la représente Haïti et dans le niveau international, il y a plus senti que, je dis, Bayo Madame Dubuis, Bayo Gary Conille, au lieu que 9 conseillers SAO, nan mi te ou ki ke 3 volets selon pile moun et selon ULCC on dit bien selon ULCC ki ke 3 braquets selon ULCC ki ke 3 et raquettes selon ULCC on dit bien les n'a dit que 3 conseillers le Gérald Gilles Emmanuel Bettiler Smith Augustin yo c'est 3 raquettes 3 volets 3 braquets faut citer ULCC parce que c'est rapport ULCC qui clairement dit que 3 moun sa yo que yo impliqué dans scandale corruption yo impliqué dans 100 millions de goud que yo te mandé avec et ancien président BNC monsieur et Raoul Pascal Pierre lui et ULCC produit rapport et li montre que nèg yo te gen 4 et de crédit. Li montre que mais qui l'est, mais qui joue, mais qui moment que nèg sa ou fait des postes ou acheté, qui donc je dis hein, et ULCC même mandé pour que yo mette action publique en mouvement contre 3 et conseiller raquettes braquet volé sa yo. Donc c'est pas moi-même, moi n'ai que à répéter ULCC. Vous comprenez? Et je dis hein, nda mais quel que soit mon zim. OK? Nda mais quel que soit mon zim.
Est-ce que sous ces vols, on est capable de juger voler pareil ou? Et moi, je me question ça. Est-ce que si vous êtes volé, est-ce qu'on est capable de juger volé pareil ou? OK? Et si conseil présidentiel, yo, tous les 9 conseillers, yo, OK? Si 9 conseillers, yo, et pas bagay rakete, yo tap regle en de nos conseil, non? Après rapport ULCC, hein, est-ce qu'on connaît que conseil ta dwe voye 3 nèg sa yo ale? Yo ta dwe mande 3 nèg sa pou démissionner. OK? Yo pa ta dwe même siéger avec yo. Et encore plus, conseil présidentiel transition, hein, li ta dwe krasé. Parce que comme qui dit, moun ke ou fréquenté, hein, c'est lui-même ou yé. Moun ke ou fréquenté, hein, c'est lui-même ou yé. Ça veut dire que si l'autre 6 conseillers, yo accepté siéger, yo accepté réuni, yo accepté travail, avec 3 conseillers qui impliquent dans le scandale corruption BNC, c'est que yo même tout, yo c'est 6 raquettes à noter, n'a retiré Edgar Leblanc-Fils, parce que Edgar Leblanc-Fils n'a jamais siégé avec les yo, et Edgar Leblanc-Fils, jusqu'à présent que li reprend le travail dans le conseil, là, mais li boko jamais chita parler avec les yo. Et est-ce que nous connaissons lui, Gérald Gilles? Monsieur persuadé, faut que yo révoqué, faut que yo crasse gouvernement koni nan. D'après information que m'gagne. Monsieur mande clair crasse gouvernement koni nan. Alors que ba kon si m sonje que les que PM ga koni les que t'es accompagné avec conseiller lui Gérald Gilles, il a visité l'hôpital général dans le moment que t'es qui t'es chanté en bas. Vous savez ça? Est-ce que nous songez pas à ça? Et quelqu'un qui allait même plus loin dans le moment que Gary Conny et lui Gérald Gilles ont étudié dans la faculté de médecine à l'époque, la valasté sous Bézigny. Et négocier toujours des problèmes en Gary Conny avec lui Gérald Gilles. Depuis les négocier étudiants dans la faculté de médecine. OK? Depuis les négocier étudiants, oui. Dans la faculté de médecine, négocier pas de chambre dans ce collé. Et je dis à bagarre la vie plus mal. Yeah. Dans la vie plus mal. Eh bien, les peuples haïtiens, hein, laissez-moi dire nous que jeudi, hein, bataille a lancé. Bataille a lancé. Et qu'il y a un gros goumé là. Et me songe ici là. Moi songe ici là. Moi-même avec Désir Venès. Notre Sefroi et Wender Bernard de je crois que et groupe Cour Cassation. Monsieur Dédi Blaise avec Désir. Ouais dossier ka pété ça. Ouais dossier ka pété ça. Gène ka pran coup poudre. Gène ka gè ma kouklou go grain. Gène ka mouri nan kesyon ka pété ça. Et jodi an, pa ba nou manti, mwen commencé bay raison avec Wender Bernard. Et laissez me dire nou, ouais tout comportement jon ouais que
Leslie Voltaire préagi là. Laval à KPDL, Aristide KPDL. Bon, moi, je dis samedi. OK? OK? Ouais, Jean que Leslie Voltaire campé là comme président conseil là gay papal gopel politiquement qui c'est Jean-Maître Aristide qui campé de elle et c'est au cap dit monsieur poussé il a dit monsieur poussé et jodi hein peuple haïtien hein calé genou. Gé Marie Jasmin qui oblige écrit. Marie Jasmin dit, permet que moi dit. Marie Jasmin dit que les footbook. Alors, excusez-moi, si me dit là et j'allais que la moi dit comme ça, excusez mes amis. C'est Jean-Marie Jasmin dit là moi j'ai dit comme ça. Marie Jasmin dit les footbook à toi. Bon, Marie-Jasmine, je comprends. Dans le commentaire fait, je comprends ça. Et si je t'ai demandé combien d'amis internautes qui ont gardé nous là, qui ont gardé nous là, OK? Et qui bouquait même avec Marie-Jasmine, il était qu'à dire même plus mal, OK? Yo te ka di même pi mal. Parce que y'a pile moun ki nan diaspora, ici ki nan diaspora. Yo bouke. Yo soti yo a bout. Avec bon volé rakete politisyen ayisyen sa yo. OK? OK. OK. Yo bouke. Et même nous même comme journalistes et comme de directeurs d'opinion. Même nous même comme journalistes oui et comme directeurs d'opinion. Et je dis que la presse n'a pas innocent tout. Non, ça qui a passé en d'un pays, il faut me dire à la clé. Nous sentons nous bouquer. Parce que nous t'ai dit que, après que Ariel Henry se passe 32 mois, l'écrasé pays, il va quitter en rien comme réserve pour pays. Moun mouri, territoire perdu, souffrance a augmenté. Yo te pensé que, avec Vini Kapete, yo te pensé que, avec Vini Gary Conin, avec gouvernement là, yo te pensé que, avec Erivé, Ramon Ormil, yo te pensé que, avec Vini Mission, Pep Aïs, c'est d'abord aller en souffle. Alors que, yo est jusqu'à présent, pas de un sérieux cap réglé. Imagino, pendant ni Kapete, ni Conin là, ni Ramon Ormil là, Vingé territoire perdu et vingé massacre gè de zone qui vinn pi mal moun ki en dedans et déplacé forcé yo toujours été en dedans abri dans l'école nationale yo dans lycée yo pa ka retourner la caillou qui donc je dis yo comprendre que peuple haïtien c'est condamné pour que li pas jamais sorti dans misère, dans calamité, dans souffrance que l'a enduré là. Et c'est pas menti. Et pas menti. Et je dis l'aime dit que je dis, question, kapete ça, avec 9 conseillers ça yo, depuis nan moute kapete ça, te ge ou ensemble de secteurs ou ensemble de acteurs, qui te parle,
et qui te réagit sur le dossier ça. Il te dit que OK. Il te dit que qu'est-ce qu'a pété ça? Li pa mené pays à aucun côté et que des monde qui allait me songe que gain ancien PM Evans Paul dit capé taplim. Monsieur te dit pays d'Haïti pas jamais gain bon expérience avec alors pas jamais gain bon souvenir pardon avec question affaires collégiales ça avec question neuf moun pour diriger un pays neuf moun oui États-Unis qui c'est grande puissance monde là il va gagner le président non. Il y a un président qui est Joe Biden. Mais il dit, à chaque État, il y a un gouverneur. Mais gouverneur Sao, il est sous tutelle président Joe Biden. Alors que Haïti, 27 700 km², il y a 9 présidents. 9 présidents. 9 présidents. Et les samedi, nous, à fortant de que deux conseils et comment deux observateurs et deux présidents yo parce que yo j'ai même privilège avec et tout le et cette l'autre oui ah oui OK ah oui yeah OK. Question tant de que, oh, deux observateurs, yo, yo va gagner droit de vote. Et là, d'autres, nan bêtise y a passé nous. Yo va gagner droit de vote, certes, mais yo j'ai même privilège avec l'autre sept conseillers, yo. Parce que neuf conseillers, t'as bien ça m'a dit, hein? Neuf conseillers, yo chaque gagné 5 millions de gouttes dans yo pour service intelligence. Yo chaque gen 5 millions de goud pour service intelligence. Et chaque conseiller sa yo, yo coûte l'État haïtien plus que 7 millions de goud chaque mois. Moun ki bon nan mathématiques, nan calcul, converti plus que 7 millions de goud en dollars, n'a pas combien de dollars américains que le bail. N'a pas combien de dollars américains que le bail. Converti 7 millions de gouttes chaque mois, plus que 7 millions de gouttes. On dit, on 7,5 ou à 8 millions de gouttes chaque mois, que chaque conseiller sa recevoir, n'a pas combien de dollars américains que le bail. Et même, et pile pète des déplacements autant des ministres, intel, PCC, intel, à voyager, pile pète 10e cap bail, gardez combien de coups que cap dépasser chaque semaine. Et même presque dans un mois que l'État haïtien a dépensé dans des mouns. Alors que, je dis, hein, alors que je dis, hein, gardez situation, c'est plus que 600 000 mouns que bandit basse et coalition vivent ensemble. Dans la région métropolitaine Port-au-Prince, c'est plus que 600 000 personnes. Ils ont forcé quitter la caillou. Ça n'a pas été mouru, ça n'a pas été violé, ils ont couru derrière yo. Et je dis, les gens, ils ont dormi à la belle étoile. Les gens, ils ont dormi dans le lycée. Y a dormi dans l'école nationale. Moi t'a remé que n'al visiter espace l'école, c'est Lili la voix et qui tout là dans tout gain l'école République du Brésil. Ndame n'al visiter espace l'école ça yo pour nous que Jean déplacer force ka fou fè yo à vivre. Ndame n'al visiter espace lycée Marie-Jeanne.
lycée des jeunes filles, Virginie sans peur. Al gade pour nous conditions, déplacer force à vivre en dedans espace sa yo. Al gade pour nous. Al founi che gade pour nous. J'aime nous à vivre dans l'espace l'école sa yo. Alors que c'est de moun que bandi mette de yo. Bandi et pousse de yo. Et alors que ouais, KPT, Conseil présidentiel transition, avec trois gros voleurs là-dedans, trois gros mimiaux là-dedans, d'après ULCC, qui jouent que Nexao impliqué dans scandale corruption, ils ont demandé l'argent, ils ont des cartes de crédit. Je dis, hein, l'NSC est gardé, l'NSC est comprendre. Pour nous dire que le pays d'Haïti, il n'y a pas de pot que l'a fait. Il n'y a pas de monter ni descendre avec un volet qui est dans la classe politique haïtienne. Avec un raquette qui est dans la classe politique haïtienne. Avec un volet raquette qui est dans les oligarques corrompus haïtiens. Société civile, droits humains. Élite intellectuelle haïtienne. Et même quelques grands monde qui est dans la diaspora haïtienne. Je veux dire, ça a dérangé. Parce que ou si on lava la non, non. Lava la depuis 2004, lava la dehors. Depuis 2004, lava la pas au pouvoir. Avec Leslie Voltaire, Aristide au pouvoir. Avec Leslie Voltaire comme président KPT, Aristide au pouvoir. Mais nous devons être clair. Les que Leslie Voltaire a installé avant, et, bon, pas installé. Les que Leslie Voltaire a fait prise de pouvoir, non? Nous, ouais, Marie-Christine Narcisse débarqué, Pacha Vob débarqué, Johnson Diogène débarqué, et plusieurs milliers de Lavalas, ils ont manifesté devant la ville d'accueil, puis ils ont content de river Leslie Voltaire comme président KPT1. Leslie Voltaire, c'est Simon Aristide. Leslie Voltaire, Marise Narcisse, comité de secteur de la Valastan, yo c'est Simon Aristide. Yo c'est resté avec Tchul Aristide. Fan kon baga la clé comme ça. Je dis, au lieu que monsieur Dame Kapete, gouvernement Kouni dans tout lui-même, qui vient en mission. Pour international dans tout. Au lieu que yo arrange yo, yo mette tête yo ensemble, puis yo délivre pays ça, puis yo ta fait boss yo honte, yo préfère goumen entre yo. Ni kapete, et ni kapete, et ni gouvernement koni. Au lieu que yo mette yo ensemble, oui, puis yo défend vraie cause nation, oui, attendez bien. Au lieu que vous arrangez, vous avez des contentieux. Ok? Ok? Au lieu que vous arrangez, pour vous mettre la tête ensemble. Pour yon, comment que yon ka retire pays ça dans la situation que le trouve le jeune jeudi. Hein? Ok? Yon préféré abgoumer pour pouvoir. Yon préféré ab chercher passer devant là. Yon préféré ab défendre intérêt parti ou dis-moi est-ce que secteur terroir yon. Hein? Yo pap défend vraie cause pays. Yo pap défend pour que sécurité en notre pays. Yo pap défend pour que la paix en notre pays. Yo pap défend pour que stabilité en notre pays. Pour élection organisée, pour que on pouvoir légitime.
pour les présidents, pour les sénateurs, pour les députés, pour les magistrats, et pour que le pays soit capable de fonctionner comme ça droit. Ils préfèrent défendre l'intérêt parti, l'intérêt psychologique, alors que le peuple a crevé dans la misère, le peuple a crevé dans la crasse. Insécurité, misère, grand goût, zone perdue, massacre a fait en un pays. Je dis, je vous le dis clairement. Ouais, moi, je ne suis pas ni Lavalassien, je ne suis pas ni Aristidien, je ne suis pas ni Makout, je ne suis pas ni PHTK. Mba ni Petit Dessaline, mba ni Convergence, mba ni OPL, mba ni EDE, Récompromis Historique, mba ni Unir Haïti, mba ni Mopod, mba ni Gré. Moi c'est haïtien d'abord. Moi c'est citoyen haïtien d'abord. Et mba ki aucune appartenance politique. M'ba même aucun parti politique. D'ailleurs, nous haïtiens, les que moi décidé de faire émission, nous parler avec tout le monde. OK? Nous parler avec tout le monde. OK? OK? Nous parlons à tout le monde ici. Nous parlons avec Lavalassien, Aristidien, Ratpakaka, GNB et Duvaleriste. Nous parlons à tout le monde ici. Et nous avons dit que nous avons fait une interview, nous avons parlé avec Mounsayo, nous n'avons pas mesuré ça. Nous avons dit que Philippe tout. Sauf que moi-même, ak Désir Venesse, nous campé nan bo haïtien, nous campé nan bo changement haïtien, parce que ça que moi vle moi même ba on combien année m'rete encore, m'a combien année m'rete encore, même gè petit moi qui cap grandi nan pays, moi gè petit moi cap grandi nan pays. Moi qui famille, ti neveu, ti nièce, moi qui cousin, cousine, moi qui ti moun yo kap grandi an nan peyi an. Qui ça n'a quitté pour yo? Est-ce que n'a quitté nan Haïti? Chez manger chez ça? Est-ce que n'a quitté nan Haïti crasé ça? Est-ce que nous quitté dans Haïti tout la trine que Donald Trump t'a dit nous hein? Effectivement que nous prouver que Haïti a son tout la trine que lié. Est-ce que c'est ça nous quitté pour yo? Ou dis-moi est-ce que nous boumé pour nous gagner l'autre Haïti? Moi même braler déjà, braler. Et regardez, aider femme m'a regarder là, m'a même regarder encore. Et si moi derrière, c'est pour regarder comment petit moi qui derrière non, comment la vini, comment demain la yé. C'est pour moi que petit moi qui vient derrière non, est-ce que mon travail que Haïti ça que la grandi là dedans non, est-ce que la ka vive là dedans? Parce que pour le dire à papa m, t'es pour tes contributions pâles. Papa, t'es pour tes actions pâles. Parce que, moi, toujours tendez que, oui, et sous-tendu, va les pays à pas de comme ça. Moi, toujours tendez que 90, Aristide, première version, pays à pas de comme ça. Mais je dis, les map li, les map tendez, l'histoire. Les map li. Les map parle avec grand dette yo. Moi, ouais que
depuis après 1986, classe politique traditionnelle 86 à journée aujourd'hui. Il y a pas réglé CUB d'Haïti, non? Il y a pas réglé rien sérieux pour Haïti. Il y a pas fait rien sérieux pour Haïti. Parce que c'est politique autre trois de là que je m'y mets qui a réglé. Retirer pied pop, mettez pied pam. Quelque soit comment Macoute, il était Lavalas, il était Aristidien, il était PHTK, il était quelque soit pas besoin qu'on ait appartenu dans chapelle politique nous. Yo youn pa gen an sérieux pour Haïti. Après 1986, rive jou kajene jodi an. Pep haïtien m'a dit nou bagay. Moi-même jodi an mwen te pense, mwen te comprenn que haïtien te gen assez capacité. Haïtien te gen assez maturité. Pour yote wè ke kote ke nou tapral tombe avec question KPT sa. Kote nou tapral tombe avec Gary Koni. Ki fait 11 ans, 12 ans de yon. Ke pat kan nan peyen, lèl resi retourne yon, li vin premier ministre peyen. Aïti, fonte déjà attendre ke pat ap gen aucun marionnaise ki ta marche bien entre Gary Koni et puis KPT yon. Et même l'on Gary Koni a montré dans le dialogue li, pas de rien comme problème. Même l'on Gary Koni a montré dans le discours, pas de aucun problème li même avec KPT en sémanti. Parce que KPT en clair sous ça, yo besoin de craser le gouvernement. Ok? Et laissez me dire nous, seul monde dans KPT que Gary Koni te senti le plus confortable et t'a plus confortable avec lui, il est Edgar Leblanc fils. Ça me dit râler écrit. Seul monde. OK? Seul monde que Gary Koni et seul monde en conseil en tout. Qui te sent que li à l'aise et le confortable avec Gary Koni, li rele Edgar Leblanc fils. Après tout reste yo, tout reste conseiller yo, yo pas à l'aise avec Gary Koni. Et m'baba nous menti. Koni pon un complot. Et tout parti politique ou konnen qui de renom en nan peyen la, qui gen nou en nan peyen. Et yo tout kont Gary Koni. Depuis ce parti politique ou konnen, depuis ce leader, gros leader politique ou konnen gen la yo. Yo tout kont Gary Koni. Yeah. Parce que yo di Gary Koni, monsieur vini la, li monte gouvernement, un gouvernement diaspora, li pa fè appel avec yo, parce que yo tap chache poste. Il pas au poste, il y a tout levé côte Gary Koni dans moment. Yeah. Il y a tout levé côte Gary Koni. Yeah. Ou connait de que là on prend en Ishgep. OK. Ou konnen de ke lop pran nan onish fomi, fomi pike yo, sa kap mode yo. Ok? Ou konnen de ke lop pran nan desse miel, ki la ge de yo? Et celle nan mitan lan mais pou la ge quoi oui
Eh bien, c'est dans ça là que Gary Conille avec tout gouvernement là, les yo prend avec un ensemble de politiciens radicalés. Yon sam politisye rakdo kale, yon sam e prostituye politik, pa di baga la bien, ba di baga la an bon kreyol, et si nan ki kreyol la kle konsay ap di map di betiz. Ok? Si nan ki baga la kle, ok? Mm-hmm. Si nan ke baga la kle, yap di map di betiz. Mais gwe ki ban moun la pata de nan feki moun la, non? Gwe ki ban moun kenye le politisyen la dokale la, ki mette pe a kote le la, yo pata de nan feki moun, non? Yo pata de parle nan feki moun, non? Jodi an la mwen se yo menm. Qui est à prendre la radio, qui est à prendre la presse, hein? Qui est à parler là-haut, Gayako n'y va de rete, ok? Gayako n'y va de si, Dominique Dupuy de révoqué, pas me dire non bagay. Pas me dire non bagay qui clair. Qui est-ce qui mette KPT1? Yo légitime? Yo légitime? De ni KPT, ni gouvernement, yon pa légitime. Yon pa ni légitime. Yon pa ni constitutionnel. Se yon akot météo la. Akot wa avril la météo la. Li clair? Li clair, oui? Li clair? Si yon pou krasé, se krasé ou tout? Si est pour craser c'est tabula rasa. Tabula rasa n'est pour lié. Parce que yon pa iti moun anyen là. Yon pa iti moun anyen. Yon pa iti peuple là anyen là. Ni KPT ni gouvernement koni non. Yon pa iti peuple là anyen, tabula rasa. Tabula rasa. Parce que yo tout après les affaires yo. Gozan mi ki di, bro, bode, so gen Lavalas, mon cher, ba bon menti, si mou ba Lavalas, m'a konn ki sa li, parce que m'a konn sa Lavalas a mwen. Lavalas, OPL, PPL, Convergence, Gré, Mopod, tout se même volo yo. Même rakete, même volo yo. Yo, mette a iti kote li la. De bode, mwen msure le Junior Belan, tout se même volo yo. Même rakete yo, même volo yo tout ye. Tout net même voilà yo. Lavalas, Devalas, PHTK et comment convaincre. Par contre, toutes ces mêmes raquettes, même voilà yo. Et pour engagement pour me dire. Comment ça me dit? Parce que c'est au mettez Haïti côté là. C'est mettez Haïti unité espoir veiller yo, marer yo, débarrer yo. Yo toutes ces mêmes voilà yo. OK? Yo tout ces mêmes volets yo parce que l'ont réalisé KPT a gagné plus que 5 mois avril mai on dit 25 avril 25 mai on dit mai juin juillet août septembre octobre KPT a gagné 6 mois là qui sa bilan lié. Qui ça réglé? Dim. Qui ça réglé? Qui ça bilan yoyé? A pas fait éloge avant hier que les Egat a fait bel discours devant la Sous-Unie, ça seulement bilan yoyé. Depuis les KPT a monté vol à vol. Oubliez ça. Dans 18 mai, yo t'a célébré ba et fait drapeau. Regardez, c'est comme yo t'a décaissé
un peu conseiller à Nanor, un peu monter Pèlerin, un peu monter à l'effort Jacques, un peu aller tel côté, il y a décaissé l'argent, oui. Qui ça réglé? Pendant qu'on y vient là, tout va y voir, j'appelle les faits tout. Ça qu'on y réglé, toi, en sérieux? Ça qu'on y réglé, toi, en sérieux? Alors, dis, ni capeté, ni connaît même voleur, oui. Et même Kabou Tomazo, oui. Même plus maï. Yeah. Même Kabou Tomazo, oui. Même plus maï. Je dis à Kadebou, oui. Rale 9 conseils, ça, pour dis qui est ou est qui va contribuer dans le pays. En allez. Gardez 9 conseillers ça yo. Gardez secteur qui voye yo. Gardez ou dis moi est-ce que parti politique qui voye yo. Dis qui est ou est pendant 30 dernières années ça yo qui pas contribué dans crasse Haïti. Non mais ou dis ça. Non mais ou dis ça. Et m'bra décortiquer pour nous. L'opran Edgar Leblanc-Fils, collectif 30 janvier. Edgar, c'était ancien sénateur. De 95 à 2000-2001. OK? On garde les passages dans le Parlement. Edgar, quelqu'un doit lire même personnellement. Il n'est pas impliqué dans des scandales de corruption. OK? Mais l'élite dans le Parlement, pendant la législature parlant, qui ça l'était posé? Qui a encore quelques parlements que l'élite dans le posé? En gade. Et en gade tout, qui ça est-ce si Edgar te coordonnateur qui se PL, qui ça offre avec pays? Est-ce que qui ça pote comme contribution comme changement en un pays? D'ailleurs, vous prenez une question ça. Ou même qui m'a dit ça avec la valasse. M'a avec la valasse. D'ailleurs, les lavalas ça prenez, les lavalas ça prenez, c'est votre même fait même. Votre même fait même. Votre même fait. Tout les lavalas après, tout en 2003-2004. La valas a coupé raché. Ou ensemble de anciens et rat pa kaka qui ont été chimé devant la rue. Albat étudiant dans l'université de l'État d'Haïtien. Les samedi et Simon de l'école toujours. La valas, mon frère. OK? Et ni l'autre parti ou dit tout. En gade Fritz Alphonse Jean. Aqua Montana. Oui, Aqua Montana. Ou ka di c'est crème de crème intellectuel pays. Hein? Mais ça a réglé. Ça a réglé. Ça a réglé. Je dis, hein, si on parle de effondrement Haïti, intellectuel peut tomber là. Et à quoi on a contribué là dans nous? Parce que pour qui ça? C'est crème des crèmes intellectuels payants qui mettent à côté de là, oui. Et qui essaie de figurer emblématique en accord mondial. Et de ancien député, ancien sénateur, ancien ministre, oui. Ça a été réglé. En sérieux, non? En sérieux, pas réglé. Moi, ça m'a dérangé, mon, mais m'a dit clair. Quel dérangé, quel pas dérangé, ça fait garder où? OK? En nous aller, les six Voltaire. Bon, Aristidien. Comment m'a dit la valasse? Aristidien. OK? Aristidien. Parce que il y a une différence, oui, entre la valasse et Aristidien. Là, c'est Aristide, ça veut dire, ou c'est Tchoul, ou c'est resté avec, ou c'est Simon, ou c'est sous-homme Aristide. Ou manger la Kaili, ou dormir devant Kabani. Et tout ça le dit, ou c'est accepté. Eh bien, ça la valas. On ne regarde pas que la valas. On a dit, bon, oui, la valas, l'Aristide est là, il devait plaisir à l'école, il devait plaisir à bagarre. Oui, nous d'accord, mais après, je dis à qui est-ce que dit, qui est-ce qui initie que ce bail dans le ghetto yo? Qui est-ce qui initie et déviation jeunesse dans le pays? Et bien, la valas, PHTK avec ma téléphone, fin casse, c'est la net. Ya? Yeah? Un débat sur ça, non? Laura Lé. Bon, Augustin. Bon, Laura Lé, comme ancien ambassadeur Haïti, comme jeune garçon. Mais Laura Lé, moun qui bat Augustin, est-ce qu'il y a une crédibilité? Non? Laura Lé, red.
de Renal Luberis et l'autre monde encore, Jonas Kofi et Patrick Noirsius, ancien député, est-ce que vous avez passé, vous faites des biens avec PIA, non? Leur aller été Claude Joseph, mon mes amis, on était en CPM, ancien chef CSPN, on président Mouissou, sous pendant que là, mes amis, quelle honte! Leur dit quoi, et compromis, ou aller ensemble avec l'ancien sénateur Lambert, Yuri, mes amis. Hey, ah, Lambert, oui, d'ailleurs, on va se faire ça à bon. On va se faire ça à bon. Ah, mon cher. Ok. Allez, dis-moi, mon drôle. Où est-ce Emmanuel Vettilier? Bon. Qui est-ce qui va Emmanuel Vettilier? Moïse Jachal? Mon cher. Moïse Jachal, lui. Raqueter, oui. Bluffer, oui. Demagogue, oui. Magouille, oui. Raqueter, oui. Moïse Jachal, lui. Alors, c'est comme si... Ouais, ma décortique, pour nous. Nous râler Laurent Saint-Cyr. Bon, en sérieux. Laurent Saint-Cyr est dans HCT avec Ariel Henry. Bon, côté Milan Maniga et Pasteur Calix Ferido. Il a fait, ma connaît, plus que combien de mois, il a touché, il a pas osé. Il va régler en sérieux. Pendant que Ariel Pape là encore... Secteur privé qui t'a voué faufile l'école, libre le ancien si en dedans et capeté. Secteur privé a fait haïtien, nous dit oui. Secteur privé a fait haïtien, nous dit oui. Qui c'est plus gros responsable question ZAP à 4 jusqu'à votre camp dans le pays. Ok? Ok? Secteur privé, ah oui. Jodi a qui pas innocent dans misère peuple haïtien. Oui. Qui pas innocent dans misère peuple haïtien. Oui. La question insécurité, gang ou zaman dans pays. Oui. L'orale, m'kwe Frinel Joseph, si m'ba trompe, m'kwe Serin ou l'église catholique qui bali. Ça a réglé. Non, m'kwè Frinel, c'est OK. Frinel, c'est société civile à Bali, m'kwè c'est m'a trompé. Société civile haïtienne non, oui. Ça réglé. Léonie de Roche, les bandes organisent droits humains ça yo. Hein, ça réglé. Ce qui bande bay politique en dans pays, oui. Il a regardé madame Regina Abraham. M'kwè c'est catholique, l'église catholique qui Bali. C'est m'a trompé. M'kwè c'est l'église catholique qui bali, bah ouais. C'est m'a trompé. Qui ça réglé? Quelqu'un dit comme si, le moment de Sam Gavet, ah voilà, Samuel Doula, moi-même. Moi-même, même de quoi tu qui va là, oui. Voilà. Negio, puisque c'est blanc qui carré comme qui te joué un Jean Kembe Ariel Henry, et puis, yo te vin avec conseil ça, blanc dit, mais monsieur, pas oublié. Nous pas qu'à diriger pour qu'on nous m'abandonne au monde. Yo blanc ba ok gare koni. 6 sous 7 voté gare koni. Parce que c'est blanc qui imposé gare koni. Mais pas oublier, gare koni en mission. Gare koni fait travail boss li. Yeah. Koni vient faire travail boss li. Fait qu'on sa bien. Eh bien, koni a jodi yon. Soit pas le dim. Ou pas le dim comme si. Ni Kouni, ni Kapete, hein? Et après les affaires pays? Hein? Hein? Ok? Yeah. Ok? Je dis, hein? On pourrait dire que c'est pas ni connu tout les mêmes qu'on va venir régler tout. Hmm? On pourrait dire tout que connu qui là qu'on va la régler. Des connu venir là, des une bagarre qu'il t'est fait comment c'est fait, connu qu'on bagarre il croit là-dedans, il croit dans show médiatique. Connu croit dans show médiatique. Il n'y a pas de propagande médiatique enragée. Qu'on y croit dans ça. Et qui qu'on y croit dans ça. Il y a croit dans le bagage médiatique dans la ville.
En pile. Pendant ces temps, il y a 21 images qui passent, alors que la réalité en lui-même, mon lieu qui vivent lien, il y a un chien qui a passé de manger. On se comprend. Nèg yo van ou bagay sou media alors que peuple là a vu l'autre bagay. En tout cas mes haïtiens, m'a dit nous la journée cap jeudi pral gè gros mouvement dans la rien. Ce bagay m'a dit nous qui ça n'a prend. Est-ce que n'a décidé quitter moun sa yo décidé pour nous? Est-ce que n'a décidé quitter moun sa yo fait ça oublier avec nous pendant ces temps pays lui-même l'a crevé dans misère. La crevé dans la crasse. Merci tout le monde. D'accord. Haïti, à travers Popol, à la police, qui c'est Lionel Lazare, monsieur présenté, Sanrele, eh bien, ensemble de matériel que la police dit que vous saisissez dans quatre opérations qui ont été menées dans fief basse crasse et barrière qui évite l'homme innocent dirigé. Et c'est ça, on a regardé sur l'écran là, plusieurs armes saisies, plusieurs radiocommunications, plusieurs téléphones, plusieurs gilets et casse la police, n'est-ce pas, arrivé saisie. Nous pourrons permettre que vous entendiez qui ça exactement, que Lionel Lazare lui-même lui dit. Puisque je dis, il y a un pile question qui a posé, il y a un pile doute qui a gagné par rapport avec ça, on a capable de dire, ensemble de bandits que la police dit qui mourit, na base vite l'homme innocent qui s'est crasé barrière. Mais moi avec désir venais laissez-moi dire avec zame en notre nouyo. Je dis moi veux que chaque monde qui a regardé émission ça et comprendre très bien Sandral dit là yo. Nous pas venir pour nous cracher sous travail la police nationale d'Haïti. Et en même temps tout nous pas encourager et quel que soit monde qui a craché sous travail la police là. Parce que n'a pas d'accord que des civils, nous avons de vaillants policiers et quatre cavaliers qui ont fait de gros sacrifices. Et je dis, malgré tout ça que capable de reprocher la police là, faut que nous reconnaissons et mes sacrifices et efforts que les policiers nous ont fait dans quatre opérations à mener. C'est vrai que nous connaissons que nous avons pile faiblesse. Gen pile mauvais graine dans la police là. Nous connaissons que mais peuple a perdu confiance dans autorité que gen là yo. Mais c'est pas une raison tout pour que nous a craché ou dit moins que a décourager, a dévaloriser et sacrifice un ensemble de policiers a fait. Bon c'est que moment au lieu que des séries de monde a craché travers la police là. De préférence, on nous mettait plus pression plutôt, nous permettre que la police n'a pas résultat ou dimanche que autorité concernée yo ben résultat. Et je dis, c'est tout à fait normal. Et si que population haïtienne non, si que le perd dit confiance dans autorité policière nous yo, bien dit, c'est tout à fait normal si que population haïtienne non. Li perdit confiance dans l'autorité policière nous. Et si que perdit confiance dans l'autorité dans plus haut niveau dans l'État. Et parce que si la passé avant yo, yo c'est des bluffeurs, yo c'est des racketeurs, yo crasé pays. Et je dis, qui fait que quel que soit moun qui dans l'État, qui je dis là, qui a vint parler avec peuple, li pas fait moun sa confiance des Ivenes. La situation en pile fois et nous garder, nous tendre, nous chercher à comprendre ensemble des positions que citoyens et qui peut-être a bénéficié du travail de la population. Et nous posons peut-être une question qui ça cause que bien comportement ça. Est-ce que c'est pas parce que ils ont trouvé en pile fois dans des situations que autorités qui ont des pays par exemple par les vérités dans ça qu'ils ont dit, mais ça vient permettre que la population manque confiance dans ça qu'ils ont entendu. Mais dans le cas de la police, c'est un coup de dire, l'immérité, qui a des questions dans l'autre dimension, exact. Chercher à comprendre le sacrifice que monsieur a fait, parce qu'en pile, il y a qui déplacé, car dans des quartiers, et ça qu'a fait en Haïti, c'est grand banditisme. Exact. En pile, policier abandonné déjà. Mais ça qui était là, on essaie de trier ça qui est bon là-dedans, parce que il y a mauvais grain là-dedans, tout, blesse personne pendant qu'il y a bon grain, quatre batailles.
porte-parole adjoint police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, qui présentait bilan opération la police privée menée et la police avec officier Kenya, parce que c'est pas de policier tout simplement. Exactement. Il arrivé mené dans Gressier, dans base Kokorat sans race, à dans base crasé barrière dans Torsel, il a fait quoi? Il y a une vingtaine bandi crasé barrière, rivé tombé en bas balle la police pendant on t'a échangé. Il a fait quoi? Il y a plusieurs l'autre qui sont blessés dans cadre opération ça d'après ça Lionel Lazare, il fait quoi les personnes? Il déclarait la police récupéré plusieurs armes, munitions, téléphones, matériel et équipement sensible. Li mande support population pour continuer à aider la police en cadre mission que yo gagné dans bataille qui cap permettre que yo reprend contrôle pays a dans tout niveau. Blaise pays a gen gros annonce sou li. Ça passé, ça gagné. 17 octobre qui vini là. Ah OK. Pour commémorer la mort en prêtre Jacques Dessalines et bien dirigeant réveil national pour souveraineté d'Haïti ak allié li annoncé les personnes yon journée manifestation d'emblée 17 octobre qui vini là. C'est une occasion pour capable commémorer la mort papa nation de Jacques Dessalines. Dans occasion, il fait quoi qu'il y a bien une messe action de grâce qui absente. Non mais moi en prière d'après dit que j'arrivais là, Jean-Tel Joseph, il fait quoi international là qui passer le même pour détruire Haïti, demander population haïtienne puis prendre responsabilité pour faire face avec question ça parce que il paraît extrêmement difficile. Frein, c'est équipe qui Philippe fait partie de la situation. Ben Frendi yo pas prêté ou y a gardé question comme ça yo mobilisé dans tout niveau 17 octobre k'ap vini là y a rien pour dans la ria et fois ça Guy Philippe annoncé l'espèce là avec sécurité li pa pral d'accord pour pièce net k'ap prend des lots manifestement illégal qui pour vinn ba au gaz l'a réagi c'est ça que Guy Philippe déclaré est-ce que monsieur est en grandeur sur la Port-au-Prince que la vie bon par contre qui côté la vie mais Guy Philippe dit pas d'accord pour la gaz, non mais des nèg qui prend des lords manifestement illégal, la gain pour riposter et réagir. Okay. Le 17 octobre, il a annoncé la couleur dans tout le pays d'Haïti et dans même département la Tibonite. Au Gonaïves, mouvement annoncé, dans ville Semak, mouvement annoncé, dans Port-au-Prince, mouvement annoncé, dans Grand-Anse, mouvement annoncé, dans Sud, mouvement annoncé pour dire avec autorité dans l'état, ça qu'a passé là, n'est pas normal les personnes. Leslie Voltaire. Ça passé. Lavalas. Hein. Ti chinois. Ça dit là. Actuel président Conseil présidentiel transition. Mm-hmm. Monsieur n'a un litige sérieux. Avec qui est-ce? Monsieur envie mettre à terre chancelier haïtienne. Nous voulons parler de madame Dominique Dupuy. Mm-hmm. Pendant Gary Conille rentré là, t'as une convocation qui était faite pour Gary Conille tal bay rapport, tal répondre pour qui ça? Il était fait madame Dominique Dupuy pas répondre avec rendez-vous qui était bali après 79e assemblée générale des Nations Unies. Le bagaille semblait chinois. Chinois fâché et pas oublier que chinois c'est Lavalas que lié et l'autre dit Lavalas ou est Aristide. On va avancer, Pour des prépositions par rapport à Jean y a traité compatriotes haïtiens. Information t'a fait quoi que Leslie Voltaire réalisé que madame Dominique Dupuy était trop sévère à travers les propos, à travers les mots qu'elle t'a utilisé pour te parler avec République Dominicaine. Pas oublier. Pas oublier d'hésiter à l'évent, si monsieur, pas oublier que Leslie Voltaire a besoin de retourner encore ce domaine. Parce que l'elle t'a malade récemment, il a découvert aller. Elle dit là, j'ai madame Dupuy réagi, hein. C'est comme quoi elle tout boucher barrière pour que Leslie Voltaire parle. Faut que mon bagage autour, pas qu'être enjeu dans bagage au désir. Très bien. Madame Dominique Dupuy, qui permettait de donner bouche pour garder question en blessé personne, lui-même garder compatriotes nous, qui dans Springfield, qui dans Ohio, cap qu'on est une situation très difficile et dit pas normal pour ça continuer, sans des nègres fâchés, esclaves blancs, esclaves colons, yo fâché blessé personne, yo envie retirer Dominique Dupuy. Il y a des citoyens qui disent, c'est dernier goût de l'eau, cap qu'on reste vasa, parce que ouais, jusqu'à présent, dans le gouvernement, ça, si il y a un monde qui va la compter sur lui, la difficile pour le pas Dominique Dupuy, jeune femme à quoi ça, cap goumé, représenter le pays valablement, laisse les gens. Songez, discours que Edgar Leblanc fils, te li dans les Nations Unies, Edgar te gen courage pour te dire, c'est le ministère Affaires étrangères qui te prépare le discours à Bali, sans doute, c'est des coups de crayon, madame Dominique Dupuy, laisse les gens. Décidez les sèmes ou bagaille. Ouais, question qui a pété ça, je vais venir avec la police, non, oui? Et ça m'a dit capable de déranger. Mais ils sont vérité pour moi-même. Ouais que même gens que Leslie Voltaire, petit chinois, qui c'est actuel président KPT,
qui m'en a arraché pour révoquer Madame Dominique Dupuy et Gary Conny Campé en bon en GDG béton en bon 18 li dit que Madame Dupuy pas révoqué et pour révoquer Madame Dupuy faut ta craser tout gouvernement même les que Gary Conny montre que pas gagne comme problème entre lui-même avec KPT1, menti. Gè gros litige, gè gros torchon kaboulé entre PM Gary Conny et puis conseil présidentiel yo. OK? Parce que si à chaque fois que PM Conny a montré que pas de problème, mais c'est parce que gè problème qui fait que la vente ou la bagarre dans l'opinion. Bah on s'y comprend samedi, non? Si à chaque fois que les que PM Gary Conny est sorti à l'étranger, il est entré en Haïti, ou dis-moi ce que dans des conférences pour la presse, la montre que pas un comme problème qui existait entre lui-même qui a dirigé le gouvernement là et qui a pété en sémenti, c'est parce que il y a un problème qui existait entre deux têtes exécutives. Yo. Parce que pas oublier que des Ivenes, monsieur Damio te dit que il y a pas qu'à quitter seulement Ariel Henry à diriger pays. Il y a mais pour que ça n'aille un gouvernement bicéphale. Ça veut dire que la présidence est la primature. Il y a arrangé yo avec CARICOM, il y a arrangé yo avec les Nations Unies, il y a arrangé yo avec les États-Unis. Il y a vin banou un question KPT et KPT a vin banou Gary Conny. Mais est-ce que nous connaissons que depuis nous choisi, depuis nous voté Gary Conny, eh bien, baga la pas jamais bien et pas jamais bien dépassé? Depuis nous choisi Gary Conny, baga yo pas jamais douce. Jusqu'à ce que nous yo choisi Gary Conny installé, Gary Conny monte gouvernement, et jouka jounen jodi an la, pas jamais gè harmonisation, pas jamais gè tête ensemble entre Gary Conny, gouvernement Conny là avec Mam KPT yo. Et jodi an, baba nou menti, Gary Conny c'est boss des boss. Gary Conny gè pi gwo bras des banan ni passé KPT an. Ça me clair sou li. Et jodi an, en pi moun comprenn que si que équipe KPT an pensait que yo capable jeter, yo capable capoter Gary Conny et yo capable capoter tout ministre Dominique Dupuy, eh ben y a tout crasé conseil présidentiel transition an. Parce que ça vous ne connaît jodi a des Ivenes. Leslie Voltaire monsieur son Lavalas qui enraciné monsieur c'est un aristidien nan nam et nan zo. Et depuis après 2004, la Valas pas au pouvoir en un pays. Fon di bagay la clé. Eh bien, rive Leslie Voltaire comme président et KPT1, eh bien, c'est comme quoi m'a dit que c'est Aristide qui sous pouvoir. Pas rien débat sous ça. Et Aristide sont les qui rancunier. La Valas, c'est des monde qui rancunier. Et yo di bagay la clé. Yo gen longtemps que au dehors. Jodi an, yo gen 5 mois là pour yo casser briser pays an. Et pour yo capable régler cause yo avec moun qui te fait du tort. Mais ko bagay moun yo pa konnen tout. Yo va faire vengeance. Ah, exactement mon cher Lavalas yo di oui. Et Lavalas yo di ou. Mais l'autre ça pour moun yo comprendre désir, gen des moun qui dit clairement Leslie Voltaire pas qu'à révoquer Madame Dominique Dupuy. A tout craser pays. Leslie Voltaire pas qu'à craser gouvernement Conny là. Parce que il y a un proverbe qui dit dans la alors gon parole dans la Bible qui dit ou gen un gros bout de bois dans chez ou alors que ou veti pa qui dans chez l'autre là. Et il y a un proverbe haïtien qui dit avant que ou alvé ça qui dans caï voisin hein. Faut regarder comment état en dans la caouillé.
Si jodi et selon en pile moun, ge trois conseillers que nous cité dans volet. Ge trois conseillers nous cité dans mimi miaou. Ge trois gangsters. Ge trois braquets en dans conseil là qui c'est Louis Gérald Gilles, qui c'est Emmanuel Vertiller et qui c'est en même temps Smith Augustin que ULCC avoué que monsieur Sayo yo impliqué dans des scandales de corruption et jodi an la Leslie Voltaire accepté et d'accord pour que yo capable voter pour capable venir dans tête capété hein li pa mette monsieur Sayo sous côté alors que dans émission Gazette News avec Assad Volsi eh ben 22 jours avant que 7 octobre Leslie Voltaire te dit que si yo fini par trouver que trois messieurs sa yo, yo ta impliqué dans scandale corruption, y a prend de décision, y a mette messieurs sa yo sous côté. Alors que pour que Leslie Voltaire capable vinn président conseil là, li accepté faire compromission et compromis avec et trois conseillers braqué sa yo, trois conseillers j'ai accusé yo comme des volets parce que yo admet que nèg yo impliqué dans scandale corruption BNC yon, mais je dis là, des gens qui dit avant même que Leslie Voltaire t'a révoqué trois conseillers et t'a révoqué madame Dominique Dupuis, faut t'a pensé révoquer trois conseillers ça yo qui c'est trois braquets. OK, mais tout autant que le pas capable révoquer et ben trois conseillers ça yo qui impliqué dans scandale corruption BNC, et bien li pas capable révoquer, li pas capable révoquer madame Dominique Dupuis. Et je dis en là, PM Gary Koni, M. Kapé en GDG béton, M. Kapé en mètre béton, derrière Mme Dominique Dupuis. Et je dis à ma petite peuple haïtien, quel que soit le Dominique Dupuis, quel que soit le PM Gary Koni, gouvernement Koni, quel que soit le KPT, je dis, yo ne pas ici le peuple haïtien en yen. M'a redi samedi. Ça ka dérangé, oui. Mais c'est en vérité. Parce que, nan sa ke pep haïtien et jeune jodi, nan question insécurité, et côté que bandi prend tout pays, moun yo besoin sécurité, moun yo besoin la paix pour fonctionner. Alors que, ouais, jodi, c'est un bataille KPT, son bataille gouvernement, son bataille et ministre du puits. Ça veut dire, mais quel que soit moun sa yo, yo youn pap réitil paya en yen. Yo youn pap aide paya nan en yen. Ki donc jodi, ma petit baga la clé. Si ge pou krasé, si ge pou voyale, si ge pou kapote, mais pep haïtien, pare nou pou nou kapap fè tabou la rasa. Pep haïtien, pare nou pou nou kapap fè tabou la rasa. Krasé, ni kapete, ni gouvernement, youn pap itil en yen. Mais je dis, message là est clair. Et li a joint et président KPT à Leslie Voltaire. Li a joint conseil présidentiel. Et la joint gouvernement pour dire que monsieur Sayo, monsieur Dame Sayo, qui c'est deux têtes exécutives là, yo pas utile pays à rien, que j'ai des privilèges, alors que jusqu'à présent, situation insécurité, situation misère, situation calamité, li pas si span augmenté en un pays en désivenes. La situation, même, nous tout en dit ça. Et quel est le conseil présidentiel transition qui, avec 9 membres, et Caleb Office, semble jeudi, et Aya, t'es resté à exactement, dans exactement. Vous comprenez? Et là, yon continue à faire, je vais être coquin, je vais être mesdames, yon allez, yon tourne, yon a dit que yon pas en accord, et au fond, yon par en bas, yon continue à faire, par yon, pour continuer à rendre dans une situation difficile. Quel te KPT, quel te gouvernement, yon tout yon a pris la faire par yon. Gare qu'on y déplacé, ok? L'allé, Émirat Arabe Uni, l'allé au Kenya. Arabe Uni, retourne. Qui s'attendait que gare qu'on y baille comme contenu, convaincant. Oui. Aller dans l'espace, aller visiter, côté fabriquer blindé, côté fabriquer ZAM, kounya yo mande ou pour nous avancer. Pour tout ça, pas de besoin de déplacement. Déplacement plus qu'on semaine en voyage, vous avez tout ça. Ok? Monsieur, allons-y, vous avez fait temps passer.
C'est un processus de fait temps passé qui a pris que la situation est beaucoup plus compliquée dans le pays. Bon, mais qui s'en café, mais qui s'en café. Moyen limité, avec moyen qu'on gagne, on croit donner ça pour nous faire. Malheureusement, ce jet quoi qu'on jette, mesdames, parce que c'est ça qu'on a arrangé pour nous faire, nous fait temps passé et puis tout kidnappé le pouvoir politique. C'est ça qu'on a fait là. Et est-ce que l'histoire a remonté 2004 et 2024? C'est Lavalas qui sous pouvoir, je dis en Blaise Peterson. En 2004, Lavalas Zélé te dit c'est Guy Philippe qui te voyé, je mettrai Aristide Allais. Est-ce que pour une autre fois, Guy Philippe, notre opposition politique qui annonce le mouvement général dans tout le pays, 17 octobre, Kabila, pour avoir une chance pour capoter et Leslie Voltaire, qui doit être conseil présidentiel de transition, nous avons dit que Lavalas sous route pour prendre un deuxième saut, non mais Guy Philippe, ancien sénateur, et Gondosa Blaise Peterson. Est-ce que la police pour aller gaz lacrymogène pendant vite l'homme boulet en blindé, la police présentée, yon série fusil tout rouillé, on série fusil chasse tant que c'est fusil 12. Est-ce que c'est qu'à vite l'homme qui est c'est vieux âme de vite l'homme pas d'observer encore, n'a te mettre dans un coin, que la police a découvert le coin, yon prend zam sa yon. La police dit, gen 20 bandits qui tombé dans 4 opérations qui a mené. Après, on a posé d'autres questions. Dans le niveau qui a été la joie, dans quel nègre qui t'a pété du phénomène de ça, est-ce que c'est des nègres qui a attristé pour compatriotes? Parce qu'on est qui c'est chef gang, qui a 20 employés, 20 éléments qui travaillent avec qui tombé, psychologiquement, ou pratiquement, ouais, et s'il faut frapper dans le niveau ça. Mais comme c'est la police, nous-mêmes, nous n'avons pas gagné, et pour nous cacher sur le travail de la police, nous dit la police, mon travail, continuez, surtout, il y a 20 bandits. Ou saisir 20 âmes, ensemble matériel sensible, eh bien, nous avons dit torsel, peigné, il y a sous contrôle de la police qu'on y a. Gang vite l'homme innocent dirigé, sans doute crasé barrière, il n'a pas couru. Il n'y a pas d'espace encore. Si ça, nous avons compris, si opération 20 âmes, c'est pas ça, c'est 20 soldats qui désarment. 20 soldats qui désarment. C'est manche l'on y a dit. Malgré moi, Lionel Lazare, il trouve dans les possibilités pour le bail calibre ZAM. Mais moi-même qui gagne Dieu, qui connaît l'agence de sécurité capot des âmes, pas dis-moi sur l'équipe 12. Tant que c'est 12 anciens militaires qui ont utilisé, ils ont pris, ils ont foué, ils ont tout, mais l'armée a crasé. Et puis, semble que vite l'homme innocent et contre des âmes ont été serrés, là, ils ont pris un cas et puis la police a le problème. Et question que nous devons poser. Trois détails dans la conférence. Ensemble, gilet ça, moi qui marque police là-dedans. Radio communication police, est-ce que c'est policier qui négocie tué ou prend ça ou bien est-ce que c'est les crasés commissaire ou prend ça ou qu'une baronne? Non, c'est des détails qui pas clair, mais il a parlé de yo dans conférence pour la presse que Lionel Lazare était organisé pour la police mais c'est ça. Bon, on nous quitte Lazare parler parce que image a passé sur écran là, mais on peut même nous entendre Lazare, mais j'en nous dit en des événements, moi avoir comme journaliste et comme directeur d'opinion et nous qui droit pour nous poser question, ça c'est clair, nous qui droit pour nous poser question, nous qui droit pour nous faire des analyses, mais pendant que j'en nous dit, nous pas expertise, nous pas venir cracher sous travail la police parce que au contraire que nous croyons que en plus monde capable de valeur avec travail la police non, mais en même temps tout li mandé que avec autorité autour pour que yo comprennent tout et je dis un peuple haïtien perd confiance dans la police, li perd confiance dans autorité yo, gade bagay lè ou di et si pas vraiment gade des preuves des éléments palpables, vaut mieux que yo pas dit rien parce que lè ou di et lè ou présenté lè ou parlé, li vin créer plus parler en pile dans la population au lieu que tu as pris confiance, au lieu que tu as vraiment bien importance avec ça, ouais, si que travail la police, non, dans le bilan ça qui est présenté là, ouais, si pas de chablène de te boule, et si que tu es un bandit vite l'homme innocent, soit le témoin ou bien salte, ouais, je dis à désir, tout ça que Lionel Lazare t'a dit, que peuple n'a pas cruel, pas d'abri tout débat ça, yo, pas d'abri tout questionnement ça, yo. Vous comprenez ce que je dis? Et parce que, premièrement, je trouve que le fait que la police gon chaque boulet, eh bien, je trouve que c'est échec que la police fait. Et vite l'homme innocent, côté que plusieurs médias ont déjà couru pour dire que vite l'homme innocent blessé, alors que vite l'homme innocent fait vidéo pour montrer qu'il n'est pas blessé, il n'a pas gagné rien.
Vous comprenez? Et fin juin que la police présente un ensemble de Sam. Les moun yo gade, yo e question équipe bande Sam, y a questionné. Est-ce que Sam sortait dans mes bandits vraiment? Que nous pas connaît, moi-même pas connaît avec des civines. Parce que. C'est tout calibre que moun yo habitué ouais dans mes bandits. Exactement. Parce que les gade, même dans cette vidéo que les gens ont boule chat, yo e qui modèle Sam que les gens ont gagné et yo e qui la joie que bandits yo et les gens content. Là, les vins questionné. Et de ça, la police a dit avec réalité. Mais m'a dit clairement, de Sivenès et pas une raison tout pour que et n'a craché sur la police. D'ailleurs, moi avec Sivenès pas que ça dans intention nous. Et c'est parce que les que nous tendez, les que nous gardez opinion en cap parler cap réagir et moi crois que même autorité yo tendez et yo ouais réaction opinion en tout et ça fait que nous capable questionner et ça fait que mais nous même tout nous venons dire que la police non et essayer les premières opérations, yo, rendent que opération yo, yo ke bon j'ai information et pour capable river atteindre cible. Sinon, si le conseil a vint dire tout état bandit, il a présenté un ensemble de matériel, et mais peuple a consigné par quoi dans parole autorité policière de Sivenès. En ce sens, moi même pense que la police en modèle opération ça yo, plutôt n'a été sous silence. Plutôt rester sous silence au lieu vinn parler. Parce que chaque fois qu'il y a parlé après l'opération, il crée plus confusion exactement dans la population. Exactement. Ouais, pour le département de l'Antibonite, question confiance en la police dans la population civile, disant c'est perdu. Parce que la police vient après 12 ou 13 jours après massacre consondé, il est disponible dans le département de l'Antibonite avec 11 ou bien 14 blindés. Tant que j'ai une organisation qui a annoncé le mouvement Odil. Et puis, un yon par exemple qui fait fête à l'encontre des bandits, ou plus sorti ces bandits qui a cherché guerre, parce qu'ils étaient basés pour venir attaquer la police dans le niveau et Kafoupey. Dans le niveau, passoire à l'encommissariat. Et Blaise Peterson. Route nationale numéro 1 dans le niveau Kafoupey toujours été inaccessible malgré présence de la police dans l'espace. Parce que bandits basés qui sont toujours sortis pour venir voir coup de balle sur la population. Et autant de Lionel Lazare qui dit que la police a mené opération dans le profondeur. Ça, mes amis, monsieur, c'est craser l'institution. Qui sa consonde te gagne? C'est un groupe nek qui sorti dans sa vie qui vient attaquer consonde. Consonde pas de gagne, base gang qui te stable là-dedans. M'a fait la police qu'on est ça. Principal quartier gang dans le département de la Tibonite, c'est sa vie dans la première section communale de Rivière la Tibonite. C'est Palmis dans la deuxième section communale de Rivière la Tibonite. C'est la Croix-Péris qui trouvait dans la commune Lester dans l'arrondissement des Gonaïves. C'est là où qui gagne gang avec zam nan mais cap terroriser cap kidnapper cap violer kounya sou mande l'autre zone est-ce que va gagne des exam m'a dit oui le gagne des exam qui proche population dans cellule autodéfense dans coralis c'est que j'en relé le roi chargé moun sa yo est-ce que c'est moun sa que la police a fait opération contre la profondeur on va connaître mais quand ta pou bandi base gang qui pas que opération bon d'ailleurs on aller après 12 jours 12 jours dans en mission avec diverses unités spécialisées dans la police. Combien de bandits qui ont été arrêtés dans la Tibonite, dans la base de Grif? Combien de bandits qui ont été mortellement blessés par la police? Et puis, nous sommes fiers pour dire que l'opération, c'est nous qui permettent que la population ne fait confiance avec l'institution, avec ça qui a dit les personnes. En plus, nous avons regardé Lionel Lazare comme un personnage dans le Sinapoua qui a défendu la population et qui a défendu la police. Mais je dis, nous attendons Lionel Lazare. Ou elle rentre dans spirale, elle rentre dans situation qu'apprend par la plus fragilisée pour population dans divers axes qu'il y a fait. André de Lionel Lazare. La police nationale d'Haïti, PNH, a compté Ponsondé, sous population dans la zone Ponsondé, et jour quitté 2 pour l'ouvrir, 3 octobre 2024. La. Force l'audio te pote renfort dans la commune Saint-Marc, by police qui était déjà souterrain. Yon façon pour te bail yon réponse proportionnelle avec bandi criminel yo. Nan cadre déploiement sa, police nationale d'Haïti te intensifié opération yo nan département la Tibonite pour traquer gang criminel sa yo. Pendant PNH la ap continue intervention à coopération policière yo, fòk nou di gen plusieurs bandi qui tombé dans échange coup zam, coup de balle ak force l'ordre. 6 individus jouent en arrestation, parmi eux, Fedler Metellus, alias d'abord, membre gang Kokorat Saras qui t'a installé dans la zone Passerenne, deuxième section communale Henry, et Edson Arisma, chauffeur deuxième chef gang Kokorat Saras.
mettez sous ça agent l'audio libérer plusieurs otages monsieur bandit été kidnappé PNH en tête collé à mission nationale là MSS là a continué mener opération pour démanteler foyer criminel ça agent l'audio renforcé présence dans diverses zones dans département la Tibonite là pour capable sécuriser vie et bien population force l'audio augmenté patrouille dans diverses villes et localités dans le département, Sila, Tankou, Verret, Ponsondé, Savien et Patchoual. Dispositif sécurité ça permet. Non, là, non, ça c'est trop blaise. On a l'air. Verret, il tag Verret. Il a gagné 22 mois depuis au présent. Il a fait résistance. Lionel, là, ça parle de Savien, oui? La police Savien. N'est-ce pas sérieux, Blaise? Ça vient de dire la policière. Oui? Vous êtes dans le jeu, vous pouvez même pas me voir le dire. C'est cafou! Blaise, c'est cafou que les bandits savent venir faire festival coup de balle avec, avec la police, mais c'est chaque jour. Mais il faut n'est-ce pas faire ça? Ce n'est pas possible. Il semble que Lionel Lazare, c'est un héros qu'il fait. Non, vous connaissez qui écrit balle là-bas, il savait que balle là, il a dit. Où est-ce qu'il écrit balle là-bas, il a dit. Son héros, pas que présence la police, ça vient. Pas de présence la police, ça vient. La police, faut qu'on mette tête, ça vient. La police, faut qu'on rentre, ça vient. La police, faut qu'on aille dans une zone qui proche, ça vient. La police qui était consondée. La police qui était cafoupé, Blaise Peterson. Et route nationale numéro 1, pour me parler avec Lionel Lazare, sans doute la garder, la tende. Même moun pas qu'à fréquenter route nationale numéro 1. Nous se parler de bail assurance protéger vie à bien dans diverses zones à travers le département. C'est celle verrette qui est moun qui vivent là-dedans. C'est depuis 22 mois, oui, que Ita présent verre, tout que mon a vivre là-dedans, oui. Lyon koutoune désert, ou ta gros fatra, gros zèb levé là-dedans, oui. En de kaye moun, yo se gros pied bouak levé là-dedans, oui. Jusqu'à présent, dans minute, que n'a parlé à la, oui. Nan ponson de chaque après-midi, kè gen moun ki chape pou vin fonti manje la kaye, se kouri pren kamionet descend se mak anko, oui. Parce que yo pa gen garanti, nan sa ke nèg yo vin fè la blessure de son. Pi ka nèg yo bay menti, l'on bay menti wap cause. Plus moun victime et bandi pas un film tellement confortable, yon annonce l'autre massacre dans yon l'autre localité, toujours dans la première section de Jean Denis. N'est-ce pas faire moun ça, Blaise Peterson? En tout cas, yon est là, Zafrem, et on connaît avec son audio, Frem, en avance. Activité reprendre tant qu'on marché Ponsondé, cap fonctionner, tout moun vini acheter sans qu'elle saute. Dans le département l'Ouest, la police nationale d'Haïti a poursuivi avec série opération yo dans l'idée pour traquer gang terroriste criminel yo. C'est dans sens ça, sorti 19 pour arriver 27 septembre 2024 là, on gagne environ une dizaine bandits qui mortellement blessés dans cas d'échange de tir avec la police nationale d'Haïti dans commune Gressier. Gagne 3 armes qui confisquées, un fusil type M4 avec un pistolet. Yon fusil calibre 12 Mac Taurus qui se propriétaire police nationale d'Haïti qui récupéré dans cadre opération ça. Yon l'autre côté PNH ta prend bon gens disposition sécurité pour empêcher bandi rentrer dans commune Léogane. Pendant temps ça, la police a continué traquer gang yo. Désolé ça ça monsieur dit. La police prend bon gens disposition pour empêcher que bandi rentre dans ville Léogane. La police prend bonne disposition pour empêcher que bandits entrent dans ville Léogane. Bravo, c'est bien. Parce que nous songer ça a gagné 2 semaines, il y a un gang qui a dirigé commune Gressier, monsieur annoncé menace sur monde Léogane. Nous t'a bien content que ça Lionel Lazare dit, c'est vérité parce que depuis après et déclaration bandits et ma connaissance 3 zombies t'es fait hein mais mon Léogane tigresse OK mon Léogane yo pas dormi parce que il y a veillé bandi avait dit si que la police prend disposition bravo elle dit mon met dormi tête prête ou dit moi que mon met arrangé yo avec la police nationale d'Haïti mais kounya qui ça t'a empêché la police que il pas prend même disposition ça pour balade Tibonite pour t'empêcher que bandi yo pas de faire massacre sans sous monde dans Ponsondé. Comme Ponsondé déjà arrivé,
on souhaite que pas gain de l'autre massacre bandi au fait comme c'est les organes qui sous menace bandi on souhaite que eh bien la police c'est pas seulement prendre des dispositions pour empêcher que bandi au et pas faire massacre sur mon les organes mais c'est prendre des dispositions tout pour que yo finalement décide tirer démanteler dénicher bandi armé dans les organes on souhaite ça des Ivenes en avance avec Ulen Lazar yo n'agresser jusqu'à ce qu'il arrive déloger criminel yo yon façon pour faciliter libre circulation paisible citoyen yo opération nan Torsel qui c'est fief chef gang craser barrière terroriste criminel vite l'homme innocent a dirigé samedi 12 à lundi 14 octobre 2024 là PNH a mené une opération musclée dans fief gang craser barrière qui gagne en tête li criminel vite l'homme innocent. Pour te réaliser opération si là, plusieurs unités spécialisées dans PNH là t'est engagé et qui te joignent support contingent MMS là. Dans cadre opération si là, plus passé 20 bandits mortellement blessés dans cas d'échange de tir avec force de l'audio. Gagnent en pile zam qui saisit. En pile zam saisit. Aïe. Pas même ça fait ça là, non. Pas la fait ça. Mais c'est pas ces vrais bandits. Aïe, dit là, nous quand nous sommes 25 là, nous quand nous sommes 25, 29 bandits là, mourir là, non, parce qu'éviter l'homme innocent. Selon ça, il y en a là, ça fait qu'on est là. Et plus pas ces vrais bandits mourir. Ok. La police rivée saisit plusieurs téléphones avec matériel et équipement sensible qui était en possession gang crasé barrière. Agent l'audio pendant l'opération ça te fait une pénétration dans zone stratégique même organisation criminelle crasé barrière logé dans Torsel. La police te perquisitionné yon nan kay selon information service intelligence institution te gagné théorie chef gang vite l'homme innocent utilisé comme cachette. Force l'audio confisqué plusieurs effets personnels, gens que nous avons gardé là. Chef gang vite l'homme innocent parmi eux, yon chaîne et dans moment deuxième chef gang groupe terroriste crasé barrière, yon connaît ce nom des hommes blessés par balle et manqué par dipôle. La police rivé confisqué 15 armes parmi eux. 11 manches longues à 4 manches courtes et puis divers autres matériels avec équipement. La police Baza bagage encore. 15 armes pas 15, pas 15 bagage non mais là. Attendez, c'est pas c'est qu'un profane qui a parlé. Oh, ah monsieur. C'est un professionnel dans question armes qui a parlé. Ou a bail une conférence pour la presse sur opération que la police menait. Ou dit tant que son profane. La police saisit 15 manches longues. Mais, yon genou, et pas le talman gredans, dit que la police saisit yon 12 qui se propriété. La police, et la police saisit soit un AR-15. Mais pour qui ça ensemble nous amène pour gen, nan m'invite l'homme yon, nous pas mette calibre sous table pour nous dire pour nous mette calibre yon. Jean Abdil pour l'autre yon. Machelon, comment machelon là? Bon, zam gè le machelon? Je connais. Moi, je connais ces profanes, moun ki pa konnen nan question zam, ki wè zam nan menèg yo, ki rele yo machelon. Yo di ou pa ka pote parole la police pour présenter un bilan, pour parler de machelon ak machkout. Machkout, ki kalib moun yo ap konnen? Fok ou moun ke monsieur plus explicite. Parfois, information bon le ap bay yo, mais nan façon ke ou bay yo, blesse personne, yo mette moun nan confusion. Saisi. 6 gilets fluorescents, 6 képis fluorescents, 3 maillots fluorescents, 1 gilet par balle, 2 pantalons bidiou, 2 genouillères, 2 tablettes, 1 Mac pad, et puis tout l'autre là c'est Mac Samsung, 2 téléphones, backlay et un iPhone. La police rivé confisqué, 1 backup, 1 clé USB, job internet, yon Magic Jack,
yon iPhone, yon phone stérilisé, pièce identité plusieurs moun, moteur kawash Honda noir et rouge, aspirateur Mac Enco, 20 radios communication parmi yo 15 radios communication de Mac Motorola, 10 radios communication de Mac Retevis, 2 radios communication Motorola qui c'est propriété la police nationale d'Haïti, 2 caméras surveillance, yon décodeur système caméra Mac Zossi, 9 adapteurs radio communication Motorola, 1500 cartouches calibre 12, 1100 cartouches calibre 22, yon drone de Mac Visua, pièces détachées plusieurs armes différents calibres, yon chaîne agent, 8 chargeurs AR-15, 8 chargeurs M-14, 2 chargeurs AK-47, un chargeur 9 mm, un pistolet calibre 12 Mag SAPL série 040027, un pistolet 9 mm série AB 99-2208, revolver calibre 22 sans Mag, sans numéro série. Yon ZAM factice, yon pistolet entraînement, un fusil à air comprimé Mag Charidan modèle 39 DPA, yon fusil Springfield numéro série 85-94-58, yon fusil calibre 2200 Mag série 40-70, yon fusil calibre 12 Mossberg série US02-670, yon fusil calibre 22 Mag Ruger série 11-29-39-28-12, yon fusil 12 propriété PNH Mag Taurus PA-01-02-75, yon fusil M1 série 48-65-247, yon fusil Mossberg modèle Maverick série 96DE, yon fusil calibre 12 Mag Savage série 16-83-68E, 3 valises, on chaîne agent. Opération yo pap campé. PNH la engagé pour traquer gang si la pour y neutraliser terroristes vite l'homme innocent ak akolit li yo. N'ap souliye nan kad opération si la ki menen pendant 2 jours nan fief gang kaze barrière, force l'audio pas enregistré aucun victime. Malheureusement, gagné yon blindé mission multinationale support ak sécurité a qui dirigé par force kenyan, qui t'est arrivé tomber en panne. Et malgré intervention rapide technicien qui était sous place yo, blindé si la pas arrivé retourner en marche. Message à clair. Tout bandit qui pa vle déposer zam et puis rend tête yo ak la justice, la police a marché pran yo. Dernière opération la police la menen yo nan témoigné détermination ak engagement pour déloger ak démanteler tout groupe gang nan peyi a, surtout nan département l'Ouest ak la Tibonite qui toujours ap chèche simen la troublay ak empêcher population an vaquer ak occupation yo. Pa gen route pa bois, quel que soit koto caché nan n'importe secteur ye ya, depuis ou se bandi la police a privé sou rou et puis mete ou en bas code. C'est pour raison ça PNH la sous leadership commandant en chef la monsieur Ramon Omil prend disposition à multiplier et stratégie pour craser tout foyer gang yo. Recommande ba la police à profiter saluer détermination vaillant policier nou yo qui engagé chaque jour dans bataille sans camper contre gang, contre grand banditis dans pays ya. Jean commandant chef police là toujours dit c'est dans cadre mariage police population MPP n'a privé rétabli
bonne chance sécurité dans le pays. Lionel Lazare, de Sivenès, mais Mbaba Nomati, bam tout gade pour moi côté ma jeune et PM Gary Koni, puisque Koni te kase tête tourné entré dans le pays, an, et PM nan qui présente un bel bilan et de voyage li, bah satisfaisant net, ça veut dire, et quand il a dit, gay espoir, papa. Gay espoir, et donc Jean PM Koni parle, oh mais c'est sérieux, Jean PM Koni parle, gay espoir, mon frère, qui donc, li seulement pour nous tente, pour nous, ouais, ça kabine jeune nous. Mais PM n'a montré que vraiment gay espoir parce que là, il n'est pas déplacé en vain, il rencontre et il promet à Haïti un ensemble de données, un ensemble de matériel, il rencontre avec des experts. Que donc, je dis en là, on nous est étonné. Mais j'aime dans des PM qui n'a pas parlé à Zivenes et j'aime le conseil qui a parlé là, c'est comme quoi que nous avons un mandat 5 ans en même. J'aime dans des PM n'a pas parlé, pour ça que moi, je promet, ça va venir, ça va joindre. Et j'ai tant de conseils à parler, tout c'est comme quoi m'a dit des Ivenes, messieurs, dames, deux têtes exécutives, yo, yo un mandat 5 ans en main, yo, qui donc, et c'est sous 5 ans à faire sa affaire. Mais oubliez que, actuellement là, il y aurait été 14 ou bien 15 mois. Il y aurait été 14 ou bien 15 mois. Et pas plus que ça. Bon, bah, qu'on est, si dans 14 ou bien 15 mois, il a fait des miracles, bah, qu'on est, mais, ça, j'ai parlé là, c'est montrer que, mon cher, il y a qu'il faut pas quel bagage dans 14-15 mois pour mettre campé sécurité, organiser question conférence nationale, réforme constitutionnelle, organiser élection, état de droit, état ceci, économie paysan. Moi-même, moi dans rêve, moi dis moi que, est-ce que monsieur dame Sayo, c'est un mandat 5 à 10 ans gagné dans tes paysan? Bon, comme nous pas qu'on est. Parce que, yo ka plonger paysan, notre transition éternelle, mais m'a dit que m'pa garanti que ça n'a que abdi là et dans 19 mois ou dis-moi c'est dans 15 mois et dans 16 mois qui a fait tout bagage ça pour même penser que c'est dans 2 3 ans qui a fait bagage ça. En tout cas en dans des PM là parce qu'il dit si marital dans marché l'hypothé bonne nouvelle pas vrai PM matin c'est vraiment un pile plaisir pour nous retourner la caille nous ça fait plusieurs jours depuis nous dehors. Et Jean, M. Desogusso dit là, nous avons visité d'abord les Émirats Arabes Unis à l'invitation du vice-président, le Cheikh Mansour. Et puis ensuite, dans le Kenya, nous avons rencontré le président Outou. Pourquoi ça est important? Il était important pour qui ça? Depuis nous entrons dans le gouvernement, qu'on constate fait et qu'on constate qu'on a répété, bataille ça pour nous gagner, et vous voulez bien insister sur le mot ça, pour nous gagner bataille là, pour ne pas quitter la situation ça pour le gouvernement qui prend fonction en février 2026 là, pour nous gagner définitivement, pour route pas jamais bloquée encore, pour territoire pas jamais contrôlé par gang encore, faut nous avoir une masse critique d'aide, de monde, et faut que la police et l'armée adéquatement équipées pour faire le travail là. Il y a deux conditions qui sont essentielles. Ce n'est pas condition seulement, ça rien, il y a une autre condition tout. Mais il y a deux conditions qui sont essentielles. Il faut qu'il y ait assez de masse critique qui peut aider Kembe avancer sous gang. Et deuxièmement, il faut que la police ait les équipements et la technologie qu'il faut pour être capable de mener un combat. L'équipement et la technologie qu'il faut, c'est qu'il faut réduire le cas de blessures dans le campement et qu'il faut réduire dommages collatéraux dans la population. Donc, deux événements, ça y est, nous, Kaweli, nous pouvons gagner. Il est vrai que sur les derniers mois qui sont passés, ce gouvernement a nous fait un pile avancé. L'un des commencé, il y a peut-être une vingtaine de blindés qui ont marché aujourd'hui avec force qui n'y a nous plus de 60. L'un des rentrés, l'armée et la police pas de fonctionner. Ensemble, je dis à nous avons une task force. L'armée et la police font des opérations régulièrement ensemble et opérations ont commencé à porter fruit. Nous entrer là, nous équiper la police là comme ça doit, nous assurer que bon flux régulier de munitions, nous organiser nous pour être capable de gagner ça, pour gagner, pour être capable de continuer à faire travail là. Et nous commencer ouais ça aujourd'hui. Le nous est que dans plusieurs côtés de pays en même temps, la police et l'armée sont capables de faire opération. Mais malgré tout, nous beaucoup là. Parce qu'il y avait une promesse de 2500 policiers qui étaient là déjà pour venir. Je dis à nous à 400. Donc, il est essentiel pour moi pour m'assurer que nous gagnons un puits en termes de ressources humaines que nous gagnons pour nous capables d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat contre le gang. Et je rappelle ça plan A. Plan A, c'est que nous gagnons un puits sur une base temporaire.
en attendant que nous-mêmes nous sommes nous capables de construire propre force panne. C'est ainsi que là, nous avons près de 700 personnes qui ont formé l'académie de police, nous avons presque 700 militaires que nous avons recrutés pour nous former. Donc, BUA, stratégie A, c'est renforcer la capacité dans l'urgence pour aider nous faire face à ça n'a fait la Kounia, en attendant que la police avec l'armée capable de renforcer tête li pour capable progressivement prendre la relève. Donc, renforcer la capacité, nous, c'est pour un bail qui a bien appris. C'est un bail qui pouvait tout de suite. Il est urgent pour moi, donc, pour moi, comment m'a créé espace qui permet de renforcer tête. Donc, la discussion et voyage nous fait, évidemment, le but c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans sa lié là, dans ces circonstances liées là, elle n'est pas obligée de dépendre d'anciens amis, mais elle obligée à chercher de nouveaux amis tout. Et nouveaux amis qui sont très intéressés à comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin la souffrance du peuple haïtien et que nous avons rapporté aujourd'hui, qui est très, très, très disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Deuxième partie de voyage, là, j'aime se dire là, c'était pour nous rencontrer le président Ruto au Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour le déployer le plus rapidement que possible 600 policiers qui étaient promis pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que y a mené. Nous faisons bonne discussion avec le président Ruto tout, sur l'autre type d'accompagnement que nous avons joué dans la zone Afrique là. Libre engagement personnellement tout pour relayer l'autre pays que le connaît une relation avec pour venir aider nous. Et après que la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui ont engagé autant, par exemple le Salvador, qui promettent mieux pour le voyer monde pour nous. Donc ça rentre dans le cadre stratégique que nous gagnons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Ce n'est pas nouveau. Depuis l'heure arrivée, nous voyons le ministre du Paraguay, nous voyons le Brésil, nous parlons avec le Mexique. Malais aujourd'hui à l'Émirat Uni, nous voyons ministre Lantoul en Europe pour parler avec plusieurs pays dans l'Union Européenne. Leur entrée, fonds communs étaient à peu près à 30 millions. Je dis à fonds communs, dépassé les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'a pris, c'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour un bâton de pèlerin pour nous chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables soulager le plus rapidement que possible. La population haïtienne. Donc, ça a rentré dans la stratégie. Ça. À qui ça nous tournait? Eh bien, pendant de là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec ce vice-président lui-même qui a organisé la rencontre ça pour nous. Il a assuré que nous rencontrions des individus clés dans différents domaines. Cap Cabano a un appui rapide pour nous capables d'adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confronté là, je dis. Nous sommes partis, comme dit lui, avec le général Azema, moi, de l'armée, nous sommes partis tout avec l'inspecteur Mackenzie, parce que nous avons besoin d'expertise. Et il y a un gros groupe que nous rencontrons, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions en zone. Nous rencontrons avec toute équipe qui est responsable de compagnie ça. Ils ont démontré nous toute une série d'équipements que nous avons mis à disposition. Nous. Et drones, machines blindées, armes automatiques et tant d'autres choses que nous même fabriquées qui sont capables à la disposition de la police et l'armée. Et nous demandons nous pour très très rapidement nous faire liste de besoins nous, pour nous avoir un flux régulier de type de matériel. Ça, parce que c'est des matériels que Haïti pourra avoir besoin sous le long terme. Le moi-même, moi rentré, moi je que c'est chaque ad hoc. Nous gagne, la police là dit, nous avons besoin de tel bagage, et puis nous avons un gouvernement qui a lutté pour nous écouter, le voir l'acheter, le qui bol qu'a joué, comment l'a joué, ça prend des mois pour y arriver. Eh bien, discussion à faire là, je dis, partenariat ça, à permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police, incluant les pièces de rechange. Donc, nous avons la côté nous en phase ça, nous venons chita là avec l'armée et la police pour dessiner ça au besoin, pour nous entendre nous sur ça, qui flux besoin à besoin, pour nous retourner vers eux et puis pour eux même, pour eux essayer d'accommoder nous. Mais discussion n'a pas arrêté là. Nous rencontrons tous responsables sécurité alimentaire. Émirats Unis ont un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays.
et ils ont exprimé un intérêt énorme pour entrer dans la discussion avec nous sur comment ils ont travaillé avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture. Là. Et là encore, nous avons balancé dans le camp panoulier pour nous venir travailler avec le ministère de l'Agriculture pays ça pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet de propositions que nous avons évoquées. Donc, sécurité a été au centre de discussion, hein, mais nous gardons tout responsabilité nous gagnons dans cette feuille de route là qui est liée à relève là. Nous faisons rencontre tout avec chef service d'intelligence pays ça. C'est un pays qui gagne service d'intelligence le plus sophistiqué au monde. Et vous gardez avec nous essentiellement qui ça a besoin. Vous montrez nous solutions que vous même vous gagnez la caille nous. Nous avons l'occasion de visiter centre que vous même vous gagnez la caille et vous parlez pour venir travailler avec nous pour aider nous faire vetting dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention nous beaucoup plus équipé. Encore une fois, conclusion en salier, c'est me promettre que ma potion est là quand même. Et déjà, ils ont contacté moi. Ou t'as pensé que c'est moi qui ai contacté, mais déjà, ils ont entré en contact avec moi pour dire, attendez-nous avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin pour eux-mêmes continuer à accompagner nous. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discutons sur comment eux-mêmes ont fait établir un partenariat avec nous pour nous capables fait question énergie avancée et m'a rapporté nous que vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est l'encaïtien. Nous formons une équipe, capo équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous parlons pour nous définir exactement sa besoin dans chaque chapitre. Et évidemment, vice-président, l'engager lui-même pour l'assurer que il appuie nous. Là, tout ça, nous avons besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, en fin de compte, visite ça, c'est une visite vraiment que je suis très, très satisfait de lui. C'était à l'invitation de vice-président. Et je connais que le poil pour qu'il y ait très rapidement des solutions à multiples problèmes nous gagnent. Parce que samedi, mais nous aider mouiller. Objectif là, c'est pour finir avec question insécurité de manière définitive. C'est pour être transitoire, c'est pour être temporaire et le passer par un cheminement bien précis. Un appui urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles. Ressources, ça, lui-même, il commence à venir, il faut continuer à venir. On a compté sur l'autre pays qui engage pour bannir nos forces, pour venir en Haïti le plus rapidement que possible, pour consolider et appuyer la police là. Progressivement, nous-mêmes, on a construit force, nous, à propre capacité, nous, pour nous assurer nous, de durabilité intervention qu'a bien. Et tout ça, c'est pas dans la fin qu'on pense à eux, c'est dans le début qu'on pense à eux. Là, nous sommes là, nous traversons Kenya. Nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire. Il y a 400 policiers qu'il a avec nous déjà. On va venir avec. On va continuer avec PM Gaye Kony. Puisque Kony a parlé de bilan voyage, qu'il fait en dehors du pays. Hein? Et espérer que nous jouons, c'est pas dans bouche pour dire, mais qu'on y a, espérer que nous prenons jouons retomber, espérer que ça qui dit, ça promet, que nous prenons jouons des événements. En avance avec Pierre. Avec nous déjà. Et ma fin, nous avons un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais le chiffre total que nous avons cherché, hein, m'a rappelé, c'est 2500. Donc en fait, 400 euros, en phase qui est arrivée, pre-deployment. Mais malgré tout, il y a beaucoup de déploiement net, nous voyons que 400 Kenyans qui l'ont engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince. Donc, ils ont déjà pleinement à côté de nous. Donc, il fallait que nous allions, que nous avons une discussion avec eux sur la prochaine étape, sur la stratégie nous, pour mobiliser la communauté internationale, sur la rapidité des déploiements de 600 lots policiers qui étaient promis, pour nous visiter tout le même. Et mal l'ensemble côté que M. Edamio a formé, je me rends compte de quel type de formation que a gagné. Je me par exemple des Haïtiens qui ont eu la formation créole et m'assurer qu'il y a formé, il y a paré pour déployer en Haïti dans les prochaines semaines. Donc, nous avons avec impatience pour venir renforcer nous. Entre temps, nous continuons à faire des appels pour nous assurer que les Jamaïcains ont été pour mettre nous mon avenir. J'aime ça dire tout à l'heure, Salvador qui promet nous mon avenir, l'autre pays dans le Caraïbe qui promet nous mon avenir, pour que dans les prochaines semaines, nous ayons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, nous, général Derby avec DGDM, là, pour nous capables de continuer à avancer sous et M. Gagnon qui est un pays en otage pendant beaucoup, beaucoup trop de temps.
Donc en gros, évidemment, pendant nous l'autre bois, nous sommes en contact continu avec chef police là, commandant chef là, Oméa. Nous suivons de près plusieurs opérations qui sont en cours. Et nous avons déjà annoncé, nous avons midi jeudi, chef police là, pour aller une conférence de presse sur l'opération que lui-même a appuyé par force qu'il y a mené hier. Nous croyons que le pourra présenter nous exactement qui s'est sorti de l'opération SAAM, qui est important pour nous là, pour nous couvrir. A parlé nous de tout de l'autre opération qu'a faite l'Ambéa. Il y a en même temps, incluant qu'a fait la zone Gonaïve comme nous connaissons, qu'a fait la zone Grécier comme nous connaissons, opération qu'a fait la Cunyato pour renforcer et protéger les ports, évidemment, opération qu'a fait tous les jours, on va le chercher, pour nous dire côté yoye, pour nous assurer que yo pas à l'aise et yo connaît que la police derrière. Donc en gros, mais comme mon voyage l'a passé, très très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, nous supposons qu'il y a 600 policiers kenyans qui ont venu renforcer contingence à capter la mille. Nous parler et président Ruto après les pour assurer que l'autre promesse de contingent arrive tout le plus rapidement possible. Ça a renforcé la capacité de réponse, nous, multiplié par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous. Nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire, qui c'est les Émirats Unis, qui ont même tout décidé de comprendre besoin de nous et qui ont engagé pour accompagner nous, pour nous ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti soient beaucoup plus efficaces pour faire face à la menace captanio. Et puis, troisièmement, j'aime dire, nous, un paquet de secteurs qui clés pour nous, quand coup sécurité alimentaire, quand coup énergie, quand coup intelligence. Les moyens. Donc, nous obligés pour nous reprendre quartier, gagner l'armée qui a aidé nous dans la consolidation. Deuxième bagaille, nous fait, où elle nous joindre une police tout qui n'a pas suffisamment de monde, qui sous-équipé, nous prenons des dispositions d'abord avec moyens panneaux, nous créer Fonds national de sécurité. Sous budget 24-25, là, nous augmenté de manière significative pour la provision pour la police. Là, nous avons pris des dispositions là, pour nous créer de meilleures conditions de travail pour les policiers. Et donc, nous avons arrangé pour que nous-mêmes, force panneaux, en mesure de faire opération et qu'il y ait opération. Mais parallèlement à ça, il m'a toujours expliqué nous ça. Nous-mêmes, je dis, on a 70 polices par 100 000 habitants. Kenya, à côté de MDA, on a 120 000 policiers pour 60 000 monde, pour 60 millions de monde. On a 4 fois capacité. Nous avons la capacité pour l'un faire opération, ça, nous sommes capables de consolider. Et donc, c'est la phase, ça, nous est là, nous sommes beaucoup plus équipés, je dis, que nous étions hier. La preuve, c'est comme ça, dit nous tout à l'heure, l'un commence, moi-même, vini, nous avons une vingtaine de blindés disponibles. Je dis, nous avons un peu plus de 60. Et nous avons que force spécialisée, nous beaucoup mieux équipés pour mener opération. Ça, d'ailleurs, ouais, nous avons mené opération sur plusieurs théâtres à la fois. Donc, nous mieux équipés, je dis, effectivement, pour nous rentrer l'antype d'engagement, ça, et pour nous capables de soutenir. Ça, nous avons c'est que très, 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 très bientôt, nous avons senti nous, nous avons nous, particulièrement dans ces quartiers, et particulièrement sur les voies, sur les cabinets. Toute vitesse, nous en discussion avec et général là et chef police là pour nous avancer sur ça. Et au bon occasion tout pour nous dire là très important. Donc nous disons trois étapes: renforcer capacité police moi-même, faire partenariat international là, vin prend engagement que le te prend, ça veut dire vin ben nous coûte mais que nous besoin à tous les niveaux. Troisièmement, accompagner là avec toute l'autre série de mesures qui est nécessaire. Mais bon point là que je pense qui est essentiel. Hein. Processus, ça, c'est un processus qui peut demander encore un petit peu de patience. Et me comprendre que la population a obtenu un résultat. Et c'est pour ça, tout, je pas plus tard que tout à l'heure, m'a dit DGA, m'a dit chef Lambert, que la population a besoin de résultat. L'État prend responsabilité envers toutes les institutions, ça. N'a pas matériel, n'a pas les ressources qu'il faut, n'a mobilisé le partenariat qu'il faut. Mais je m'attends aussi à ce que très vite, il y ait une population résultat qu'il a obtenu. Ça fait 4 mois, nous, là, nous connaissons la population aptonne et m'a de plus en plus exigeant en termes de résultats parce que nous connaissons que la population a fait sacrifice à partir de contributions pour le cabal et la police, les besoins, les moyens que le besoin. Donc, on n'a pas avancé, on m'a garanti qu'on n'a pas avancé, on a commencé à avoir des résultats très vite. CEPA. Donc, nous avons une réunion régulière, non seulement avec CPT en tant que groupe, mais avec chaque individu. Évidemment, c'est sûr que l'on a un bien ça, ou un point de vue par eux. Donc, nous sommes un environnement très sain pour nous capables bien d'échanger très sain sur vision nous, et comment on va avancer. Mais pour le moment, laissez-moi vous rassurer que malgré les petits différents qui ont toujours existé dans tout pays du monde, en des gens qui ont des responsabilités, l'essentiel, c'est que par un jour, que nous pas chiter ensemble pour essayer de résoudre
problème noir de. D'ailleurs, après-midi, je panique saute là. Premier côté, je vais laisser CPT à me rencontrer. Je vais faire un compte rendu sur comment voyage l'a passé. Je vais dire exactement ce que sont les prochaines étapes. Je vais attendre des doléances par avec priorité par eux. Et je vais assurer que les priorités du pays sont toujours, toujours à la table des discussions. Le moi-même, dans la ville d'accueil. Même temps, des perceptions, moi, pour qui ça grandit le monde, qui croit que j'ai intérêt pour alimenter ce genre de choses. Mais en ce qui nous concerne, accord 3 avril là très clair, responsabilité conseil présidentiel là très très clair, rôle moins par rapport à CPT là très très clair, donc nous très très confortable pour nous continuer discussion avec CPT. J'aime ça dire tout à l'heure, dans pile bagaille qui a avancé, nous faisons une présentation sur les 100 premiers jours, dans pile bagaille qui fait la rentrée l'école, dans pile bagaille qui a fait la question de sécurité, dans paquet de bagaille qui a fait la question de gens à recruter et monde qui dans l'administration publique, dans paquet de discussion qui fait sous feuille de route là, toute discussion ça a fait avec CPTA dans l'intérêt du pays, et j'ai l'impression moi-même que nous avons continué à avancer. Merci pour la question. Dernière question, c'est Bonne Fou. Bonne Fou, rapidement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Une inquiétude de. Par exemple, qui sont éléments essentiels dans la crise, au Prince Salvador, après que vous déclarez l'état d'urgence, c'est pour 4500 l'armée, alors que la moitié de la population pas maintenant capable de rentrer en jeu et supporter la police. Donc, pour me capable d'avoir une solution permanente, nous avons besoin de l'armée d'Haïti. Pour me capable d'avoir une solution permanente, le nombre de policiers bien qu'on y a, forme capable d'augmenter, forme capable d'équiper, forme capable d'avoir les moyens, forme capable d'assurer les policiers que ça fonctionne. Système, ça, il faut comprendre qu'il y a un petit temps pour mettre en place. Maintenant, parallèlement à ça, nous avons un paquet de partenaires qui disent, nous, en attendant que le système prenne en place, nous-mêmes, nous avons venu de pour mettre ça n'a pas tenu. Parce que jusqu'à présent, il y a 400 policiers seulement, alors que nous étions supposés à 2500. Donc, ça m'a fait qu'on y a assez râlé l'urgence, râlé partenaire en urgence, et combien masse critique ça a, ou mettre sûr que n'a pas avancé sans hésiter sous différents quartiers. Et déjà, on commence à appeler avec les moyens que nous avons. Peuple, l'IPEDI. Peuple, l'IPEDI, dans la question, ça qui est là. Peuple l'an pedi avec causé insécurité. Peuple haïtien pedi.